Bonjour. Installez-vous confortablement devant votre ordinateur. Zen, d'après l'odorat, c'est le zen. Tout le monde est zen. Ouf, wow. Bonjour tout le monde. Bonjour, ça va tout le monde? On est quel jour, Maxime? Comment ça va? On est lundi 3 avril. Casse tes tablettes. On va le mettre en. On va mettre en. C'est toi, t'as dit, je le veux en portrait. Je voulais en portrait. Tu commences à avoir des exigences de star. Mais attends, non, mais c'est le plus grand contre de ma vie. On l'a toujours eu horizontal. Tu sais qu'elle a demandé une maquilleuse pour cacher ses boutons pleins de pustules et ah, de bactéries. Tu te moques des gens qui ont des boutons alors que c'est un truc naturel chez nous les jeunes. À la puberté. Mais t'es plus vieux que moi. Quand on a la puberté comme moi, ça arrive. Il y a plus la puberté à 25 ans. Bonjour. Salut tout le monde. Bonjour, 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 bonjour. Comment ils vont mes petits boutchous? Comment ils vont mes petits sexy? Comment ils vont mes bébous préférés? Comment ça va? Ah, je suis content de vous retrouver. Là, j'étais en mauvaise compagnie jusqu'à maintenant. Et là, je suis content. Là, je suis content. Regardez, j'ai même une nouvelle cravate. En fait, c'est juste là, on a perdu celle d'avant. Du coup, on m'a mis un vieux là, truc vois, de vieux. Vois, là, t'as respecté le code des costumes. Pas de boutons. Ouais, j'ai anticipé. Là, mais par contre, la cravate à poids, on m'a pas respecté. Mais j'ai perdu ma vraie cravate noire. Ouais. On peut parler de la réédition, l'album de Tyler the Creator ou pas? Non. Sorry Not Sorry, je pense, c'est un de ses meilleurs sons de tous les temps. En, mais pourquoi? Mais c'est sorti quand? Vendredi, là. Ok, cool. Ben, je m'en bats les couilles. Et merci en tout cas d'être là. Merci à tous. On est très très contents de vous recevoir. Nous sommes lundi 3 avril. Il est 2023. 8h01, 2023 évidemment. Et c'est le tout nouvel épisode de Zen. On est à l'épisode 14. 14, hein. 14 ou 15. Arrête, tu sais très bien que c'est le 14. Non, je suis pas sûr. Ok, je suis pas sûr, c'est peut-être le 15. C'est moi les 13 invités précédents. Dans l'ordre. Je te le fais dans l'ordre. Vas-y. Ça a commencé direct, bam, avec Big Flo, Cyprien. Yes. Kameto. Yes. Feldup. Ouais, c'est déjà dur. Feldup. Feldup. Masqué. Non, c'est Billy. Billy. Masqué. Non. Chrono. C'est... Quoi? C'est pas ça, alors t'as oublié. Terracid. T'as oublié Terra Inox. T'as oublié Terra Inox et Masqué. T'es après Malfa et Carito, mais t'es trop nul. Malfa et Carito. Malfa et Carito. Il m'en manque pas beaucoup. Théodore. Théodore 11. Théodore 11. Kev Adams 12. Il en manque deux. Léna 13. L'aidez pas. Allez, il en reste un. Allez. Même toi, tu l'as pas. Tu l'as pas, celui qui manque. Si, Freddy. Freddy Gladieux. T'es un bâtard. Mais t'as oublié. C'est le dernier invité. Tu as oublié le dernier invité. Mais c'est lunaire. C'est lunaire quand même. Et mais... bon, les gars, aujourd'hui, 14e émission. On va avoir le 14e invité. Ah ouais, mais en fait, pourquoi j'ai oublié Freddy? Parce que tu le détestes. Ah ouais, ou peut-être ça. Parce qu'en fait, t'oublies les gens qui ont plus de 35 ans. Bah non, j'ai pas oublié Terra. Aïe. Ah, bizarre. Là... Merci à tous, en tout cas, d'être ici. On est très contents de vous avoir... les gars, très, très grosse émission aujourd'hui. On a prévu énormément de choses. Il faut savoir un truc, c'est que nous, avec Grim, ça fait quand même longtemps qu'on s'est dit, punaise, quand même, Kev Adams, ce serait fou quand même. Saison 1, je disais. Je veux pas faire le mec. Saison 1, j'ai dit, saison 1. Si on l'a, c'est fou. Saison 1, déjà. On avait déjà rêvé. On avait déjà, tu vois, un petit peu ce truc de dire, putain, est-ce que c'est possible? Et si? Quand on, et si on tapait dans les mains? On tapait dans les mains comme ça, je me rappelle. Ça fait très très mal. Et ce jour est arrivé, mes amis. Ce jour est arrivé parce qu'aujourd'hui, nous allons recevoir le grand Kev Adams. On aura l'occasion, du coup, de revenir un petit peu sur sa carrière, parler un petit peu de tous les moments qui ont marqué sa vie, mais également de faire des jeux avec lui. On n'est pas obligé tout le temps d'être sérieux, même si on est, attention, je le précise, hein, parce que certains ont l'air de ne pas le comprendre, on est une émission sérieuse. Hey, on reste quand même un late show. On est sur un late show. On n'est pas là pour faire des blagues. Hein. Non, hey, j'ai une cravate. Mon gars, ici, c'est pas show de night. Hein, mon ah gars, non, ici, non, hein. Non, ici, c'est pas show de night. Moi, j'ai une grosse cravate. Je suis là, je suis bien, je me suis sapé. Bon, tu sais quoi, en vrai, on va crever l'abcès comme ça, t'auras pas d'argument de vente contre moi. Je le dis, ma chemise, je l'ai pas lavée il y a deux semaines. Ouais, non, mais je préviens, comme ça, t'auras pas d'argument de vente dans l'émission. Dites-vous, ça, un truc que je connaissais pas, la sueur a calcifié sur sa chemise. Il y a des zones dures et d'une autre couleur. En fait, c'est un truc de ouf. Je savais même pas que c'était possible comme réaction. Donc, c'est le cas. Ben, merci, Grim. En tout cas, tu nous as bien respecté sur ce coup. Tu respectes l'invité, ça fait plaisir. Et c'est pour ça, mais je suis éloigné, comme ça, tu vois, il a pas. Ouais, non, c'est vrai. En fait, t'as vraiment exagéré sur calcifié et tout. Si, non, c'est la vérité. Vous l'avez sans doute remarqué, hein, évidemment, Disney+. Je vois que dans le chat, il y en a qui disent Disney+. Oui! Oui, Disney+. Oui, oui, oui. Sponsorise cette émission. Eh ouais, les gars. Tac, bah, ça régale. Tac, Disney+. Bah, bim, bam, boum. La petite plateforme de streaming que vous connaissez bien, hein, Disney+. On peut y retrouver beaucoup de choses, hein, bien sûr. Disney, Pixar, Star Wars, National Geographic, mais c'est Bleach. Pas tout. Bleach, et ça me régale. Ichigo! Ouais. Okay. Vous avez vu qu'on était déguisé en Bleach dans Michou? Ouais. Chez Michou? Vous avez pas vu ça?
Regardez, il y a plein de trucs. Frigueil, on se met maintenant. Il y en a plein. Extraordinaire, on se met maintenant. Vous avez plein de trucs, en vrai, vous avez Anatomie d'un divorce, côté film. Dernier duel, très très bien, excellent film, bravo Adam Driver. Côté film, on a évidemment L'étrangleur de Boston, un thriller inspiré de faits réels qui nous plonge dans une chasse à l'homme palpitante. Vous avez pas mal de choses. Il y a plein de séries, de films, de documentaires divers et variés. Je peux vous en citer un autre, Anatomie d'un divorce, Extraordinary. Là, vous avez en ce moment même, voilà, qui passait là, plein de teasers de ce qui se trouve sur la plateforme. Allez voir, merci à eux, c'est grâce à eux et grâce à toutes les marques qui sont investies avec nous au quotidien qu'on peut avancer, qu'on peut faire des choses. Vous régalez. Et donc merci à Disney Plus vraiment de sponsoriser cette émission. Ça nous régale, voilà, ça nous régale. Ils sont pas là très longtemps, mais ils sont là forts. Donc merci à eux, ils nous régalent. Je vous embrasse, Disney. J'embrasse tous les Disney's qui nous regardent. Souscrivez à Disney Plus. Ça, c'était de la... Wow. Ça, c'est, tu vois... Tu t'améliores de brief en brief. De brief en brief, je m'améliore. J'espère. Même moi. Ouais, même toi, mon gars. Même toi. On est 52... Attends. On est 52 viewers, mais c'est un truc de ouf. Je trouve pas ça ouf. C'est bien, mais... Enfin... C'est genre deux classes de collège. C'est un truc de ouf. Ouais. Ouais, c'est bien. C'est bien, Grim. Évidemment, merci à Stitch, hein. Stitch, vous les connaissez maintenant, on les présente plus, point d'exclamation Stitch dans le chat. Vous pouvez gagner un permis hein, grâce à Stitch. Vous la connaissez, hein, l'auto-école, vraiment à prix, mais réduit n'est même pas le terme. C'est donné. Avec le code ZEN, en plus, vous avez une énorme réduction. Allez voir et, comme d'habitude, on vous offre le permis à partir de 729€, bien sûr, mais là, vous avez moins 50 avec le code ZEN. Et en plus de ça, vous avez il y a un permis qui va être offert là. Un permis qui va être offert, chaque fois on offre un permis. Donc voilà, point exclamation Stitch pour participer. C'est quand même ouf d'avoir un permis offert. Ça me régale. Donc merci pour ça. Les amis, maintenant que ceci étant dit, les présentations sont faites. Vous comment tu t'appelles? Qui ça? Toi. Moi je m'appelle comment? Ouais. Bah, Maxime. Non, c'est pour être sûr. Vous pensez que Grimmy s'appelle comment? Le truc, c'est qu'ils vont écrire Crazy Moufard, ça, c'est un vrai problème, ça. Douglas. Je dis la vérité, maintenant, il s'appelle Douglas. Merci à tous d'être ici, les amis. C'est l'heure, c'est maintenant, que nous allons accueillir avec nous l'un des invités qui a le plus été sollicité. En tout cas, l'annonce est celle qui a le plus suscité d'engagement. Elle a fait son petit boucan. Il va péter, là. Ah, l'annonce a fait son petit boucan. On savait pas qu'il y avait une telle attente. Eh bien, on en est très contents. Les amis, je vous demanderai d'accueillir notre invité chicos du jour. Il s'appelle Kev Adams. C'est parti. Kev Adams est avec nous et ça nous régale. Et ça nous régale. Salut les gars. Kev, comment tu vas? Très bien. Merci beaucoup d'être là. C'est moi qui vous remercie de m'inviter, c'est ouf. Alors, je te dis la vérité directe pour que tu saches. On n'est pas sur une prod de ouf. Ça veut dire si tu recules trop... Il y a moins de Là, t'es vraiment déjà au bord. Dis la vérité. T'étais vraiment sur le. Tu peux bouger sur toi-même, mais bouge pas trop le siège, sinon ça devient dangereux. J'ai senti que la prod était légère, mais bienveillante. Allez, c'est plaisir de voir. Credo. On est là. Quand je suis arrivé, j'ai dit un truc à boire. On m'a dit de l'eau du robinet. Bon, je crois que tout est dit. C'est déjà ça en vrai. Il y en a quand même pas d'eau. On essaie de faire au max, mais tu sais que t'es pas le premier. Même Big Flo, quand il est venu, il a dit les gars, on est là, on fait des trucs à la télé, fait The Voice, machin. J'arrive ici, je demande un coca. Encore pire. Tu es pas capable de m'amener un coca. Là, on s'améliore parce que Big Flo, il y avait pas la clim, il faisait 30 degrés, on était sous sueur d'émission. T'as de la chance, je te jure. Là, il y a la clim. Bah. En vrai, on n'est pas sûr. C'est le début de printemps. Je vois les caméramans en mode. En vrai, il y a un vrai truc parce qu'il fait un peu chaud, on est d'accord. Mais c'est le début de printemps, c'est normal. Mais ouais, mais il a raison, je crois qu'elle n'a pas réparé, c'est juste qu'il faisait froid. Du coup, on s'en est pas rendu compte. Enfin, je pense vraiment. Bah, hein. Vous savez quoi? Moins on y pense, moins on. Oui, c'est vrai, c'est dans la tête. Voilà. C'est dans la tête. N'y pense surtout pas. Merci Kev d'être avec nous. Moi, je trouve ça incroyable, vraiment. Franchement, merci à vous de m'avoir invité dans cette émission que j'avoue je connaissais pas beaucoup. Je me suis renseigné évidemment puisque. Pas grave. Pour être totalement honnête avec vous, en même temps, bon, j'ai vu le respect que vous donnez à vos invités. Parce que je ne me rappelle pas de Freddy Gladieux qui l'a fait. Non mais voilà. Non mais merci. Faut le dire. En plus, c'est vraiment notre dernier invité il y a deux semaines quoi. C'est vraiment le dernier invité. Je me suis vu à la place du gars. Je vous ai vu la semaine prochaine en train de dire c'était qui. Non mais j'ai cité les 13. En fait, j'ai cité les 13 d'avant sauf lui. C'est ça le problème. C'est ça. Non. Mais c'est le dernier en date. D'accord. Mais oui, mais c'est trop récent. Non. J'en ai donné 5. J'en ai au moins donné 5 sur les 13. Ça ne marche pas. Kev. Moi, spécial Big Up à Freddy Gladieux, donc je suis un très grand fan. Le micro, c'est une blague? C'est une blague, il y a vraiment problème de micro. Non, on va voir. Je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si c'est vrai. On entend mal. Apparemment, on entend un peu mal. On va voir. Dites-moi en régime, vous inquiétez pas, on va régler ça. Kev, moi, je trouve ça fou que tu sois venu. Je trouve ça fou que tu aies dit oui. Parce qu'en fait, moi, je le dis ça souvent aux invités, t'as pas besoin de ça. Oui, t'as vraiment pas besoin. Et tu viens te confronter à un univers Twitch, Internet, qui est quand même
au style différent de ce dont tu as l'habitude. Clairement au style, clairement pas du tout facile quoi pour ben moi. Ben ouais. C'est dur et en même temps c'est ça le jeu aussi. Je me suis dit qu'à un moment donné c'est si tu veux pas aller là où ça brûle, c'est pas très marrant quoi. Si ouais. T'es tout le temps partout là où t'es à l'aise et où c'est cool. Je pense qu'il n'y a pas vraiment moyen de se marrer, donc je trouvais ça cool justement d'aller dans un endroit où je sais que de base, il y a une grande majorité qui est en mode « Ah non !» Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bien sûr. Max, c'était comme ça avant que t'arrives. Ouais, je sais. C'est pas vrai. Mais toi aussi, Grim, je sais, on s'est vu juste avant, tu m'as fait « Oh putain !» Quoi ? Non, j'ai fondu en larmes quand je t'ai vu rentrer, alors que Max disait « Putain. Non, mais vous pouvez pas me faire une mauvaise réputation. Je suis un mec super gentil. Je suis là. Il y a des preuves. Il y a des clips. On balance. Je vous remercie les deux parce que les deux vous avez été hyper cool et bienveillants. Et on sait, en tout cas, vous êtes très conscient et je suis très conscient de l'image que je peux avoir parfois sur Internet. Et je trouve ça aussi courageux de votre part de m'avoir reçu. Pour être totalement honnête avec vous, mon frère m'a appelé samedi. Il m'a dit ah les bâtards, ils t'ont fait un poisson d'avril d'enculé. Ils ont dit que t'allais venir dans l'émission. Kev, je te jure que d'habitude j'annonce l'émission le samedi. Ouais. Sauf que le samedi c'était un 1er avril. Et tu t'es dit et je me suis dit ça. Les gens ne vont pas nous croire en fait. Ils vont dire mais qu'est-ce qu'il va faire là, il va jamais venir. Mon frère m'a pas respecté puisqu'il s'est dit c'est un poisson d'avril mais... et je lui ai dit mais non frère, j'y vais vraiment lundi et même lui il était un peu déçu. Il était en mode ah dommage. Dommage. Ah c'est dommage. Il y a pas un Freddy qui veut se griser. Ah merde. Non vraiment premier degré, on est très content parce que quand on est arrivé, on a discuté avec toi en amont parce que tous les invités savent plus ou moins ce qui se passe et tout, et toi on avait à cœur que tu te sentes pas piégé ou que tu te dises ah les bâtards ils veulent nous amener dans un traquenard. Ouais. Mais tu en fais vrai, tes si propres si même. C'était le cas, tu vois, on y va, on est là, on est, moi j'ai pas de. Ouais, mais c'est ce que j'ai ressenti, donc merci. J'estime que quand tu fais ce métier, tu dois te confronter aussi à ceux qui sont plutôt hostiles ou ceux qui t'aiment pas forcément. Et d'ailleurs, c'est le jeu. Quand tu t'exposes, il y a des gens qui te kiffent, il y a des gens qui t'aiment pas du tout. Ouais, c'est parfois ça. Sans bonne raison, parfois avec des bonnes raisons. Et je me dis, vas-y, go, on y va. Je crois qu'il faut s'ouvrir aussi un peu. Et ben, tu sais quoi, en tout cas, je te fais une promesse, Kev, ici. Là, je te la fais maintenant. Mm-hmm. Merci beaucoup déjà d'être là. Mais je tiens à te dire qu'ici, tu es en famille et qu'on ne te saoulera pas avec tous les trucs du passé, les vieux sketchs, les machins. Ce sera vraiment que du... Ah, attendez. Ah. Ouais, apparemment, la lumière, il y a un problème de lumière. Je suis désolé, là, c'est juste... Il y a un souci. Il y a un bug de... le bureau, là, parce que... Vas-y. Il y a un bug de micro. Ouf. Qu'est-ce qui se passe ? Là, c'est clairement le bureau qui déconne depuis tout à l'heure. Ah. Problème de soudure. Ah, là, c'est bizarre. Là, problème de soudure, il nous faut un prof de techno en direct, là. Ah, il y a, tu penses qu'il faut... Il nous faut un prof de techno, là. Un prof de techno pour régler ça ? On a appelé un prof de techno. Let's go ! C'est parti, ok, c'est chaud ! N'hésitez pas à faire du oui, let's go ! Sortez vos cahiers ! Let's go ! Non, c'est bien, faut dire, il est fort. Sortez vos cahiers et sortez vos stylos ! Stylo ! Let's go ! Non, on a toujours un prof de techno qui faisait ça. Bah non, parce qu'en fait, c'est... En fait, c'est ça le problème aussi, c'est que tu vois... on est là, on a... J'ai vécu des situations improbables dans ma vie, hein. Mais celle-là, elle est folle. Bah, en fait, on invite... Bah, d'avoir le prof de techno... C'est le vrai prof de techno. Qui est le... Ouais. C'est le vrai. Qui a un rapport à mon sketch de 97 et un gars qui est en train de changer mon micro en même temps avec vraiment dans un silence de bon, bah vas-y, fais comme si tout était normal. Alors qu'on le voit évidemment qu'il y a un changement de micro, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? On aurait pu en s'en parler, dire c'est pas grave, il y a un problème de micro chez Kev. Mais là, il y a un côté genre non, t'inquiète, il y a pas de galère. Mais en fait, tout se passe bien, ici, quoi. Les gens sont habitués. Ouais, ouais. C'est normal. Ils pensent que c'est des happenings. Ouais, c'est normal. Le changement de micro, ils croient qu'il est pris. Mais là, dans le chat, il y en a peut-être qui vont dire MDR, le changement de micro. Là, le micro qui bug, je suis mort. Bien joué, les gars. Non, c'était vraiment un micro qui bug. Tu vois, dans le chat, ils disent ha ha ha. Regarde, ils disent ha ha, pas de galère, au calme, ils s'en foutent. Ils s'en foutent trop bien. Regarde, c'est Maxime, cool. Mets-toi tout nu, ils vont dire c'est un happening. Vas-y, déshabille-toi. Mais est-ce que du coup, je pars du principe que tout le début là, de ce qu'on s'est dit, personne n'a rien entendu ? Non, ils ont entendu. Ils ont entendu, mais juste, ils entendaient un peu moins bien. Tu sais, ils entendaient un peu dans le. Genre avec du grésillement ? Non, c'était plus en termes de volume, je crois. Ils entendaient dans une autre langue ? Ils entendaient peut-être dans une autre langue. C'est possible. Okay. Je voulais pas citer de langue, mais c'est possible. Très bien. Je vais pas te mentir. Kev ! Pourquoi Kev, Adam ! Pourquoi tu... Arrête de taper la table, ça coûte cher, ça. C'est toi qui as payé ça ? Non, mais il y a sûrement... Gros mytho, va. Respecte un petit peu les gens qui ont bossé sur le bureau. Si, okay. T'es en train de dire qu'ils sont pas capables de faire des trucs solides. C'est ça que t'es en train de dire. Kev Adams. Déjà, je le savais déjà en travaillant l'interview. On le savait que t'avais une longue carrière et tout. Mais premier degré. C'est marrant d'avoir le gars qui est venu avec le t-shirt. Pour le coup, ça m'a fait rire. Parce qu'on s'est beaucoup foutu de ma gueule. Quand même. Ça.
beaucoup, beaucoup foutu de ma gueule. Il y a de la prod. Il y a de la prod et tout, d'avoir budget. Fait I Love Maxime et tout. Très le sympa. Business. Très stylé. I Love Maxime. Tu vas le mettre en vente ou pas? Le I Love Maxime sera dispo. N'hésitez pas, vous êtes déjà à une pré-vente en matière. C'est du plagiat, tu peux porter plein de contenu. Ah, yes. Bâtard. Mais alors, New York peut porter plein de comptes Kev. Exact. Et là, comment on fait? Et ils l'ont fait d'ailleurs. Ah, oh. Et j'ai perdu. Aïe. Ah, putain, faut, ça aussi, faut faire d'autres films pour rembourser niveau, quoi. Niveau, niveau juridique, ça va être chaud. Niveau c'est juridique, ça. On est battu là-dessus. Je te rappelle qu'on n'avait pas 50 balles tout à l'heure. Kev, je savais déjà, du coup, je disais en travaillant l'interview, mais ce qui est fou en fait, c'est que je pense que les gens. Est-ce que tu connais l'histoire derrière ce t-shirt ou pas du tout? Ah non, pas du tout. Ah. Pour le coup, c'est un peu intéressant, vite fait, rapide, très rapide. Ah, mais non, mais hey, pas rapide, on est tranquille. Hein. Ah, ok, on a le temps. On a le time. Ok, bah, très rapide. En gros, à l'époque, je faisais ce qu'on appelle des scènes ouvertes à Paris. Ouais. Donc, c'est une scène où t'as plein d'humoristes qui passent. Ouais. Et il me fallait trouver un moyen. En gros, les gens, ils arrivent pas à retenir les noms des humoristes. T'en vois 25 dans la soirée. Ah ouais. Même ceux que t'as bien aimé ou que t'as détesté, tu sais même pas comment il s'appelle à la fin. Tu sais, tu dis le brun, le maigre, le moustachu, tu vois. Et je me disais, toi c'était le connard, moi, en fait. Toi c'était le pas drôle. Et je me disais, il faut absolument trouver un truc pour me démarquer. Si. Et donc j'ai mis Floqué Blaze sur mon t-shirt. C'est pas et en fait, à la fin, il se rappelait mon nom. Il disait, ah, il était bien le blond, ah, il était marrant le moustachu, ah, il était pas marrant Kev Adams. Et au moins, il savait comment je m'appelais. Je me rappelle, j'étais dans la salle. Tu te rappelles, c'est toi qui l'avais dit. J'étais dans la salle. Tu l'avais dit. Mec, il a 20 piges. C'est-à-dire quand t'as commencé en quoi, 2009 2009, t'avais 8 ans. Toi, t'en avais déjà 24. C'est ça ton problème. T'es raciste des vieux, Grim. Ça, déjà, j'ai remarqué. Raciste des vieux. T'es raciste des vieux. Mais j'ai un père et une mère. J'ai même un grand-père et une grand-mère. Enfin, je peux pas être raciste des vieux. On les embrasse. Ils sont à l'hôpital. Surtout la dame. Hein? Ils sont à l'hôpital. C'est pas vrai. Je la connais hyper bien, ta grand-mère. Et elle est en super bonne santé. C'est fait un petit reçoit d'infos, un petit jab. D'ailleurs, si tu me regardes, je t'embrasse, Solène. On t'adore. C'est pas son place. C'est pas son nom. Kev, je suis désolé. Kev, on va commencer à. Ouais. Peut-être moi j'ai vraiment un humour éclaté parce que moi ça me fait vraiment gaulerie ce genre de face, quoi, tu vois. Non, alors, mais je sens que toi t'es un peu en. Ouais, ouais, mais le problème c'est qu'il me déteste. Non, ouais, en fait, explique. C'est un peu good cop, bad cops. Je fais genre, tu vois, il me fait rire, mais je suis obligé de faire un peu genre quand même. Ah, tu l'as dit. Abuse pas quand même, je vais te mettre une patate, je vais te faire dormir. Kev, du coup, tu commences en 2009 et c'est fou parce que en fait, quand on regarde ta carrière, même si on sait que t'es dans le paysage depuis très longtemps. Waouh, la vache, on se rend compte que t'as fait beaucoup de choses. T'avais une carte blanche à l'Olympia, t'avais fait des trucs sur France 2 et tout. En fait, très très vite, ça s'est emballé. Et j'ai l'impression que le succès, il est arrivé. Alors, j'imagine que t'as beaucoup travaillé dans l'ombre et tout, mais une fois que c'était en route, c'est allé vachement vite pour toi. C'était, je crois, l'année de ton bac. Un an après. Un an après, où ça s'est accéléré et tout. Franchement, comment on le vit, ça? Parce que ça doit être quand même assez particulier, tu vois, comme... Bah, demande-lui. C'est ce que je suis en train de faire, Grim. Je suis en train de lui demander, là. C'est vrai. Il me l'avait demandé. Vraiment? Bah, réponds. Il l'avait demandé. Il l'avait demandé? Du coup, j'y vais. Tu peux y aller. Ok. Pas de problème à lui aussi. En gros. Arrêtez de parler de soda, les gars, c'est bon, il y a d'autres trucs. T'aimes bien soda quand même, c'est bien soda. On va en parler si tu veux après. Ok. En gros, non, c'était chaud en vrai parce que, genre, j'ai commencé à faire des scènes ouvertes quand j'avais 15 ans et demi, tu vois. Et j'étais vraiment vu comme le petit jeune relou tout le temps et tout. Et après, ça a pété quand j'avais 19-20 ans. Et j'ai pas hyper bien vécu ce truc-là en vrai. C'était un peu violent. Ouais, c'était violent parce qu'il y avait un côté. T'es le représentant des jeunes. Et en fait, moi, j'ai pas vraiment voulu être le. Enfin, moi, je parlais juste de trucs que je connaissais. Et à 19 ans, bah, je parlais de trucs que je connaissais, tu vois. Genre les cours, les meufs, enfin, tu vois, des sujets. J'ai une phrase pour ça, pour toi. Dis-moi. Big Flo et Oli, ils ont dit un truc. Ils ont dit percer trop tôt, c'est bricoler des histoires sans vécu. Parce que quand t'es rappeur, tu dois un peu dire ta vie et tout. Ok, je pensais que ça allait être un peu mieux. Non, en vrai, il y a une recherche dans la punch, mais juste que. Non, mais c'est bon. Mais y a t'as pas le charisme et le panache pour la. J'ai pas de soutien dans cette émission. Je suis en train de vous dire un truc super important. C'était bien ce que je. Non, mais tu sais, il y a des phrases. Moi, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de cette question, en tout cas. Ah, c'est la fin de l'émission. On se dit au revoir. Mais les gars, on a prévu des trucs. Ah ouais. Va me faire ça, les gars. Non, non, mais ils ont raison. En vrai, c'était pas facile d'écrire des sketchs, puisque. Mais en plus, c'était un vrai challenge, puisqu'à l'époque, il y avait quelqu'un bon, du métier que je citerai pas, mais qui m'avait dit justement tu pourras pas faire humoriste à 19 piges. T'as rien à raconter. Faut vivre des trucs pour rire de choses, tu vois. Et moi, c'était le challenge que. Moi, j'aime bien quand dans la vie, tu me dis tu peux pas. J'aime bien tenter de le faire, tu vois. Je trouve ça cool. Tu peux pas me donner 1 million d'euros maintenant. Et non, je peux pas. Et ce que je me suis dit, ce serait cool justement de tenter le truc. Et donc c'est pour ça que j'ai écrit ce spectacle à la base qui était pour les ados. Mais franchement, à ce moment-là, je pensais pas que ça allait me suivre toute ma vie, tu vois. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, en fait, là, on parle du moment où vraiment t'as commencé le stand-up machin et tout. Mais quand même, déjà dès le début des années 2000, t'as déjà cette volonté d'être comédien. Début des années 2000, tu l'as poussé, frère. 2012.
Ouais, c'est vrai. T'as grandi, c'est un sale vieux, là. Je respecte. Début des années 2000. Non, mais début des années 2000, t'es petit, tu grignotes des sketchs, tu fais des petits trucs, c'est ça que je suis en train de dire. Année 2000. Ouais, hey, 2009, c'était 2000, plus des années 2000, hein. Mais à un moment, faut embrasser son histoire. T'es plus tout jeune maintenant. Début des années 2000. 2009, c'est début des années 2000. Il a l'âge à Terracide, arrête. Ah, Maxime, on va mettre les choses très au clair. J'ai aucun problème avec mon âge, j'ai 47 ans, je l'assume, j'ai rien à foutre ici. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que quand même, début des années 2000, non. Là, t'es en train de me. Non. Un peu de respect. Faut tranquille. Merde, tranquille. Il y a 2000, 2009. Il y a 2010. Oui, non. Oui, non, c'est après, il y a 11. Non, je comprends le point de vue. 13. 2014. On va faire combien, on va faire jusqu'à combien, les gars. Il y a eu 2016. Oh, attends, après, je crois qu'il y a eu 2017. 2018 aussi. 2019. 19, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Ouais, après 2020, on connaît Covid. Ah, cool. Aïe, aïe, aïe. Et après, c'est passé vite. Hein. 2021, peut-être. 21. Ah. C'est 2021. Ah. Après 2022. Et là, on est où? On est où? Et je crois qu'on est carrément... En 2023. Ça file à une vitesse folle. Bah les gens, on se régale en tout cas. Le temps passe. Hein. Le temps passe comme des voitures. 45 ans, on regardait sur Soda. Et maintenant, ouais. Ouais, c'est beau. Et alors, ce qui est marrant, c'est que tu commences un petit peu en cours, t'écrivais des petits sketchs déjà. Comment ça se passait? T'écrivais des petites punchlines comme un rappeur, en fait, un peu. Comment ça se passe concrètement Exactement. En fait, à ce moment-là, j'avais un cahier d'histoire géo dans lequel j'écrivais mes premières vannes et je les testais sur mes potes. Et donc, c'était dans ce cahier d'histoire que j'ai écrit mes toutes premières blagues, en fait. Mes toutes premières punch. Et tu te foutais d'histoire? T'as écrit... Ouais, t'as un peu écrit ta propre histoire. Bah merci les gars, par rapport à ça, c'est top. J'ai la ref et elle est top. On peut enlever, je pense. On peut enlever. En vrai, c'est confortable, il m'énerve. Kev, là franchement. Vous voulez qu'on parle de ce moment? Non, par contre, vraiment. Vous voulez qu'on en parle? Faut qu'on fasse une pause dans l'interview parce que cette scène, elle est lunaire. T'es là, T'as Redouane Arjane qui arrive, on dirait qu'il s'est fait tabasser. Mais pourquoi il a des bleus, un œil au beurre noir En plus, je vous parlais vraiment de mon cahier d'histoire avec sincérité et je vous vois en train de vous agiter. Je me dis, mais les enculés, ils en ont rien à foutre de ce que je leur raconte. Bon, les et gens en fait, effectivement, ça, très bonne ref. Alors, c'est la première télé que je fais de ma vie à ce moment-là. C'était quoi comme télé? J'ai 17 ans. C'est une espèce de télé chelou. À l'époque, il n'y avait pas Twitch. Tu vois, YouTube était beaucoup moins développé, donc t'avais des gars qui essayaient sur des antennes, genre la chaîne 157. T'avais des gars, ils essayaient des trucs, tu vois. Et là, il y a un gars, il essaye, il venait, tu vois, dans un studio vraiment pourri, très ressemblant. Et on arrive, il y a moi, il y a Redouane. Et Redouane Arjane, donc, qui est un humoriste très doué, que peut-être beaucoup connaissent, met une minerve. Et moi, naturellement, en arrivant, je dis, gars, t'es blessé. Et il me fait, non. Et c'est tout. Il me donne pas plus d'infos que ça. T'es resté à ça? Non. Il a été au make-up, se mettre une minerve et se faire un maquillage de gars blessé qui s'est fait péter la gueule, mais sans. Pas, genre, je lui demandais l'explication. C'est vraiment drôle, par contre. Ah non, mais c'est mythique. Je lui dis, pourquoi tu t'es. Explique-moi l'histoire. Dans ton spectacle, tu racontes une agression ou les gars qui mettent. Et il fait, non. Il veut savoir la tête d'un mec qui s'est fait couper. C'est okay. Trop drôle. Et tu vois à quel point j'ai vraiment encore plus pixelisé. Par contre, ce qui est drôle, c'est que lui, il pensait pas que ça allait aller si loin dans le truc. Non, mais ça, c'est le HD de l'époque, Grim. C'était comme ça. Ouais, c'était au max. Ouais, vous parlez mal. Genre, ok, je suis jeune, mais je suis pas non plus né en 2010. Je suis pas né en 2001. Je suis pas non plus né avec TikTok dans ma poussette, quoi. T'avais déjà des téléphones? Ah, moi aussi, merde. Je voulais faire l'ancien. Regarde. Ouais, et du coup, il a ce maquillage, et du coup, moi, je suis un peu gêné. Et à un moment donné, je raconte ce truc du prof. Ouais, putain, c'est chaud le passage de l'un à l'autre. Je me rends compte que j'ai pris un coup de vieux de porc. Non, et par contre, ah, franchement, c'est flippant de là, dingue. Un truc qui est fort, c'est que t'as pas de calvasse du tout. Non, pas ça, de calvasse. C'est un truc que j'ai remarqué. Mais gars, je me suis tellement élargi en termes de. J'ai tellement mangé. On regarde quoi. Avant de parler, on regarde tout le monde avant de parler. Non, c'est rien, ça va, ça se voit pas de ouf. C'est rien, c'est mon implantation capillaire. Non, t'es bien là pour l'instant. T'as quel âge là? 25. Ouais, 25. Ouais. À 30, t'es fartasse. Mais c'est comme ça. Putain. Hein. Fartasse? Tu vois, ouais. Ça veut dire quoi? Tu connais pas fartasse? Fartasse, c'est fartasse. Ah putain. Moi, je suis pas fartasse, moi, j'ai tous mes vœux. Pas trop vite, Grim. T'as 21 ans. Moi, 21 ans, j'avais rien. J'ai gardé mes vœux, mais je trouve que tout le reste du visage, c'est vraiment. T'as pas mal changé. C'est très gentil à toi de me dire ça. Mais c'est gentil. Il y a de la rideau, il y a de la. Bref, on s'en fout. Mais du coup. Et du coup, il y a ce moment mythique où le gars dit finalement il a écrit sa propre histoire. Et moi, j'ai vraiment une réaction ultra naturelle de. J'ai envie de gueulerie. En même temps, je sais pas trop ce que le gars raconte. En même temps, je sais pas trop ce qui se passe. Mais t'as été un peu un chien parce que vraiment, tu l'as laissé dans la merde. Il y a personne qui a aidé. Tu veux que je dise quoi? Tu fais genre. Bien vu. Non, mais non. Non, j'ai pas fait ça. J'ai dit. Non, mais tu peux faire ça. Merci, Redouane. Non, t'as dit merci. C'était Redouane Arjane.
Ouais. Mais vas-y, je te fais une réaction qui aurait pu le sauver. Vas-y, vas-y, dis-moi, il a écrit sa propre histoire. Vas-y, comme ça. Finalement, on peut dire qu'il a écrit sa propre histoire. Ah ouais, ouais. Bah oui, oui, on pourrait dire ça. On pourrait dire ça. Mais du coup, ouais, par rapport à l'interview. Et là, bah tu vois pas. C'est la réaction la moins naturelle au monde. Elle est horrible. Mais toi, tu lui as dit. Merci, c'était Red Donner Jeune. En mode, vous voyez ça? C'est voilà, c'est ouais, bah, regarde. Là, tu vois, elle a dit merci, c'était Red Donner Jeune. Maintenant, c'est quoi? C'est un mème. C'est un mème, et c'est la vidéo, une de ses vidéos les plus vues ever. Voilà. Moi aussi, d'ailleurs. Tant mieux. Voilà. Et toi, t'as fait quoi? À part perdre tes cheveux. Non, c'est méchant ça. C'est hyper méchant ça. C'est hyper méchant. Franchement, c'est pas cool. Franchement, c'est pas cool parce que moi je suis là, j'essaie de faire des choses bien. Ah putain. Tu m'énerves ? Non, c'est... Et puis je trouve que les Grimm, les attaques physiques comme pas ouf quoi. Ouais, c'est franchement. C'est franchement pas hyper. Tout ce qui est attaque sur le physique, moi c'est je suis pas. C'est ça. Tu peux reculer Maxime parce qu'avec ton nez je le vois pas, mais sinon je suis très chaud pour. Voilà, tu vois, merci. À un moment, faut le dire. À un moment, faut le dire. Tu caches la vie aux invités. Les invités, des fois, me calculent pas. Tu caches la vie. C'est de faire ça. Mais il y a un moment, tu caches la vie. Mais c'est de faire ça. Mais quoi? C'est pas ça, c'est que quand t'es un peu trop proche, il prend. Mais tu vois, regarde ce qu'il dit. Gros, l'autre fois. Je me fais chier à inviter des gens. L'autre fois, Fight Club 2 chez Amine, t'as fait un hors-jeu à cause de ton pif. Mais gros, je suis en train de me faire vanner, je suis en train d'inviter des gens, je fais les choses bien, j'ai de faire des trucs. Non, mais Max, on t'adore, ça n'a rien à voir, c'est juste que lui. Mais tu m'adores pas. J'ai... Mais non, Max, vous êtes éclairé, lui, ça lui fait comme une petite pyramide sur le visage, c'est très dommage parce que. Je parlais avec Kev, il me voit pas à cause de ton gros pif. C'est pas un souci, à un moment, c'est la vérité quoi. Mais hey, ça te va hyper bien, je vais te dire. Il y a les défauts qui rendent beau. Et toi, ce défaut-là. Ah, bah c'est un défaut, il a dit défaut. C'est un très vilain défaut, mais qui te met en valeur quand même. Mais qui rend beau. Il arrive à cacher tout le reste qui. Ah là là, on veut pas le voir le reste. Hey, je vous emmerde, venez, on finit l'émission. On finit en 5 minutes. Eh hey, les gars, dans 5 minutes, on rend l'antenne. Après, j'ai un truc. Hey, reste qu'un gros. J'ai un truc à faire après. Calme-toi, gros. On va reprendre le fil un peu de ta carrière là. Tu partiras très vite en tournée. Tu fais ton spectacle. Le Young Man Show s'appelle. Oui. Jusque-là, j'ai bien. Ouais. Je trouve ça très marrant de faire la promo, mais en mode vénère. Tu fais ton spectacle, vas-y. Tu remplis tes salles, tes machins. Tes trucs là, tes merdes là, vas-y. Ta tournée de merde là. 3 ans après son lancement, tu joues pendant 3 ans en fait le même spectacle. Ça, c'est un truc qui m'a tiqué. Je me suis dit, ouah la vache, tu fais la même blague. 3 ans quand même. Non, parce que tu le fais évoluer le spectacle pour le coup. Ah, il évolue ? Bah ouais, tout le temps. Tu vois, c'est pas comme tes lives pourris là. Non, pardon. Là, tu vois, là, mea culpa, là, je m'excuse. C'était un peu graffé, méchant. Non, arrête! Oh non, mais c'est bon. Je me casse alors. Bah, assieds-toi. Je me casse. Assieds-toi. C'est dommage, toujours Maxime le prend pas comme ça, je veux dire. Maxime. Ah, merci, Maxime. Dites-le. Et assieds-toi, gros. M'assois. Je vais venir m'asseoir. Je vous ai pas senti sur le truc. Je me suis dit, ils vont pas le faire. Moi, je vais devoir partir. On va pas le faire. Tu vois, je pars. J'ai plus le taf, j'ai plus de sous. Bah, voilà. Ok. Et ouf, c'est que t'as joué le départ, mais même pas jusqu'au bout, quoi. Non. T'as pas été au bout du départ. Si je vais au bout, là, c'est chiant parce qu'il faut tirer le rideau, faut machin. Okay. J'avais pas autant envie de faire la vanne. Ok. Tu vois, j'avais envie de faire la vanne, mais vite fait. Ouais, j'ai vu. Avant 30%. Quoi. Ça y est. Ouais. Après, ça y est. Surtout que je la fais peut-être 3 fois par émission. Le côté je me casse. Le côté je me casse. Je savais pas. Donc au bout d'un moment, les gens, je pense, ils en ont marre aussi. T'as roté. Non. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie naturelle. Non, c'est une dinguerie de faire ça. Non, franchement, ça me dérange pas du tout ça. C'est-à-dire, c'est des expressions. Non, par contre, on se touche pas après, mais sinon, j'ai trouvé ça très. La parenté, ouais, cool. T'as vraiment pris la confiance et ça, c'est. Non, mais tu vois, pour une fois, on est d'accord, l'euro, c'est humain, on rote tous. Non, humain. Tu prends vraiment la confiance. On pisse, on chie, il y a un moment, faut merde. Merde, quoi. Mais t'es pas un chien, Grimm. Il y a un moment donné, tu peux te retenir, non? Grimm, ça vient d'où? Ça vient pourquoi, Grimm? C'est pour Grimjo, un personnage de Bleach. Bleach. Oh, t'as regardé Bleach? Non, je sais pas, ça faisait un peu en mode, tu sais, film. Bleach. Mais gros, ferme ta gueule, au pire. Tu peux fermer ta gueule un peu. Non. Ça vient d'où, Kev Adams? C'est mon nom à l'envers. Mon vrai nom à l'envers. Adams Kev? Vec? Saddam? Je m'appelle Vec Saddam. Vec Saddam? Wow. Saddam Vec. Mais Saddam, ok. Ouais. Saddam, ah, c'est connoté. C'est un peu connoté. Si on fait Saddam, enfin Kev Saddam avec Gotaga. Corentin Hussein. Kev Saddam. Kev Saddam. Hussein. Hussein. Kev, alors, même si tu faisais d'autres choses pendant la tournée, là, c'est une tranche d'âge. Tu sais que j'y avais jamais pensé, que t'as fait une découverte de fou. Là. C'est fou de faire ça. T'as jamais fait la blague? Ouais. Si je peux me permettre, je crois que je vais partir d'ici et aller sur le live de Gotaga, parce que c'est là-bas qu'est mon destin finalement. Oui, c'est vrai. Non, reste. Non, mais tu sais qu'on super concu avec Gotaga, on s'est fait mal. Grimm, il s'est fait casser la gueule par Dwagby, donc c'est le
En vrai, c'est un vrai collègue. En bas de chez moi, il s'est amené avec trois potes. Il s'est fait tapasser par un doigt. Bah, c'est pour ça, ça m'énerve. Ouais, c'est pour ça. D'ailleurs, okay. Les gars dans le chat, n'hésitez pas, hein, ceux qui savent, voilà, ceux qui apprennent peut-être maintenant l'histoire, n'hésitez pas à dénoncer ce qu'a fait Doigby. C'est pour le coup, Doigby, moi je l'aime beaucoup. C'est un des premiers gars qui m'a reçu sur Twitch. Ouais, il est super. Bah, jusqu'au moment où il a cassé la gueule à Grim. Moi aussi, j'aime bien. Il arrive en bas de chez moi et qu'il me pète la gueule. Sinon, à part ça, il est gentil. Mais il a dû le faire gentiment. Je suis sûr qu'il t'a pété la gueule gentiment. Non, il était cordial. Dans les faits, il était cordial, mais quand même. Quand même, 3-4 côtes cassées, je connais plus cordial, quoi. Ouais, c'est pas ouf. Bah, tu vois, la manière dont tu le dis, c'est gentil. 3-4 côtes cassées, je sais pas, il y a un truc sympa. Ouais, c'est vrai. Ça sent le truc sympa, en tout cas. T'as pas tort. Bon, en vrai, ouais, ça... Doigby, je te pardonne. Et voilà, putain, j'aime quand ça fait la paix, comme ça, c'est énorme. C'est beau, putain, t'as ramené les peuples. C'est vrai que c'est une... Tu disais, c'est une tranche d'âge où on évolue beaucoup, donc forcément, ça change encore plus vite à cet âge-là. Grave. Mais donc, tu me disais qu'en fait, ce que tu fais, c'est que ton sketch, il évoluait au fil des années. Donc, tu rajoutais des trucs, tu changeais des machins. C'est comme ça que ça se passe, parce que c'est vrai que le stand-up, pour nous, c'est assez éloigné, on sait pas trop comment. En fait, j'ai pas arrêté de faire évoluer les spectacles. Après, il s'est passé pas mal de dingueries. C'est-à-dire qu'en gros, au milieu de mon premier spectacle, mes parents se sont séparés, mais j'avais des petits frères qui se sont barrés, etc. etc. Un peu à droite, à gauche, etc. Très marrant, ça, quand même. Très marrant. Merci, Tom. Ça récompense, ça récompense. Assez fort. Et c'est terrible que ça me fasse rire. Et en gros, à ce moment-là, j'ai fait évoluer le spectacle là-dessus. J'ai commencé à ajouter des vannes là-dessus. Sur le fait, tu vois, j'ai remarqué que le divorce, c'était un truc qui était souvent traité de la part des adultes, mais rarement du point de vue de ceux qui se font splitter la tronche, quoi. Et du coup, j'ai réécrit le deuxième spectacle en tournée du premier. Et donc, la suite directe, ce qui te permet d'enchaîner assez vite sur le deuxième. Ah, parce que du coup, t'allais plus en cours. J'allais plus en cours, non, donc un moment, tu pouvais plus raconter des trucs. Donc quand ils se sont séparés, t'as dû dire let's go. T'as quitté. Là j'ai un truc à dire. Là j'ai des trucs à raconter. Alors c'est parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Si ouais, c'est comme ça. Tu vois, j'en ai. Et du coup, sûr. T'as quitté lycée pour l'école du kiff. On va passer à la question là, suivante. C'est des bâtards, c'est mignon comme. Pendant toutes ces années, tu feras autre chose, notamment la série Soda. Exact. C'est un classique, évidemment. Pas. Tu me reconnais? Ah putain, le mec, tu me reconnais? Non. Mais si, j'étais là. J'étais partout, mec. Quand je t'ai suivi à Tourcoing, je t'ai vu à la Fnac de Dunkerque c'est et bon, tout. Je t'ai vu partout. Viens, on fait une photo. Attends, je suis pas bon. Là, attends. Ouais. Super. Faut sortir. Tu me reconnais. J'étais là partout. Ah ouais? Mais oui. Excuse, non, je te reconnais pas. Je peux te faire un. Non. Casse-toi. Sors. Tu te casses. Merci. Tu te casses. Mais c'est sûr, tu me reconnais pas? Non, je te reconnais. Tu te casses. Sors. Tu te casses maintenant. Comment il est rentré? Excuse-moi, alors Kev, je suis vraiment désolé. Ça, c'est un problème de sécu, un truc, je sais pas comment ça se passe. Je suis vraiment désolé. Je voulais dire, voilà, pendant tout. Ça n'arrivera plus. C'est quoi? C'est un fan qui est venu. C'est sûrement un fan qui est venu, je suis désolé. Un fan, comment il a su que l'émission était. on va repasser à moi, Soda. Moi, ce qui me fait hyper mal, c'est que moi, je sais que ce gars, il bosse pour l'émission, parce que je l'ai vu juste avant. Et je me dis. Et ce qui me fait mal, c'est que je me dis, ils ont même pas trouvé un seul vrai fan à moi. C'est-à-dire que ça n'existe pas, il y en a même pas, quoi, un qui a bien voulu venir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai qu'il bosse sur l'émission, mais. Mais je sais qu'il bosse sur l'émission, il m'a accueilli tout à l'heure, il m'a dit salut Kev, les garçons sont hyper contents de te recevoir, donc j'imagine que c'est un gars qui bosse avec vous. Après, tu sais, tu peux bosser sur l'émission, être fan, et, ouais. Et c'est juste un malheureux hasard. Après, mais non, parce que j'ai fumé une clope avec lui, il m'a dit, moi, j'aime pas particulièrement ce que tu fais, donc ok, en fait, moi, je donc sais que c'est vraiment, fan, c'est. Non, il passait par là, c'est vraiment un fan et tout. Ouais, ouais, non, ça n'arrivera plus en tout cas. Mais par contre, par rapport à Soda. Ah ouais, Soda. Paps, Mams, tu t'attendais à ce que le programme fonctionne autant quand même. C'est chaud de mettre quand ça marche. Bah ouais, c'est fou ça quand même. Soda, alors parlons de Soda. Déjà, Soda, c'est devenu un truc un peu relou dans ma vie puisque les gens, ils me parlent que de Soda. Alors que, bon, j'ai fait plein de trucs depuis, tu vois, des spectacles, des films et tout. Et, Madame et d'autres séries. Et soda, beaucoup soda. Les gens, ils m'arrêtent dans la rue. Je suis comme un Paps. Ah, c'était lourd, Soda, lourd. Il faut savoir une chose. Je sais pas pourquoi ils ont tous cette voix. Ils ont cette voix, ouais, tous. Il faut savoir une chose. À l'époque où Soda est diffusé la saison 1. Putain, j'ai eu un petit. T'as vu? T'as roté? Ouais. Silencieux. Mais toi, t'es bien. T'es éduqué. Ils viennent en silence. Tu rôtes pas comme ça, tu chies pas sur le siège. Méro montre que je vis. Non, c'est. Non. Bref, et donc Soda, quand on diffuse la saison 1, M6, parce que c'était sur M6, nous appelle, dit ça marche 10 fois moins qu'à l'époque un truc qui s'appelait Scène de ménage qui cartonnait. Eh oui. Et ils nous disent ça saute, vous sautez, ouais. Ça y est, c'est fini. Et vous allez sur W9. Et ils disent on crée une nouvelle chaîne qui s'appelle W9, et nous on était un peu deck, on était en mode on n'a pas envie d'être sur W9, tu vois, on a envie d'être sur M6. Ouais, mais c'est ça, soit vous dégagez. Et on a fait Soda, et il faut savoir qu'à l'époque, quand c'était diffusé à mort, c'était critiqué à mort. Mais vraiment. Ah ouais. Moi, c'était chaud de noix, c'était critique, je me rappelle. Ouais, ouais. Et compris, tu vas le répéter énormément. Il va le répéter beaucoup de fois. Ouais, beaucoup. Et du coup, ouais, ce qui est ouf, c'est que ça s'est. Enfin, les gens, ils ont kiffé en vieillissant, ça s'est arrêté. Et après coup,
Il y a eu un truc de nostalgie et aujourd'hui on m'en parle tout le temps et j'avoue que c'est un peu relou qu'on m'en parle tout le temps. Mais tu sais que ce qui est fou, c'est que... Enfin, je veux dire, je renie pas le truc, non, mais... la série. Mais voilà, mais il n'y aura pas de reboot en 2023 quoi. Non. Pas de reboot en 2023. On l'a dit tout à l'heure, j'ai 47 ans, ce serait très gênant. Ouais, on rejouera pas de scène quoi. Non. D'accord. Non, on fera pas. On fera ok. Pas de, on fera pas de soda. Bah ok, non, moi c'est parce que j'aime bien soda, mais. Ça y est, là, t'as compris, ça le soda. Mais là, c'est bon, c'est ça aussi ton. Non, mais tu me contredis. Si tu refais soda, c'est top, mais moi je serais. Enfin, moi je ferais pas de soda. Quoi. Ah ouais. Enfin, tous les gars qui étaient dans soda, enfin moi, Slim et Ludo qui étaient les trois principaux, on est tous très âgés quoi. Pourquoi tu me contredis toujours? Tu me contredis toujours, Elian. Il est plus là, arrête ça. Hey, il est reparti encore, il est plus là pour t'aider là, t'es tout seul gros. On avait un pote à moi, il s'appelait Elian, toujours il venait me défendre, il est plus là, il est parti faire le tournage. Il me manque, Elian. T'es tout seul, c'est bon, arrête ça. Attends, j'ai une idée, il me manque trop Elian, j'ai une idée. Jim, qu'est-ce que tu fais? Laissez-moi un peu dans ma bulle, deux minutes s'il vous plaît les gars. On est en émission. Laissez-moi dans ma bulle. Ouais, Kev, je suis désolé hein, mais... Une lettre, tu lui écris une lettre? Cher Elian. Chaque jour qui passe sans toi est une torture atroce. Comme par exemple se faire écraser par un camion Ben ou encore passer 2 heures à côté de Grim Cujo et de ses aisselles qui ont du caractère. Il me tarde de te revoir, toi et ton joli slip Corsica, que seul toi arrive à porter aussi bien. Peut-être un peu trop souvent, quand même, donc pense à le laver quand tu peux. Je t'envoie mon plus beau pigeon, le plus élégant de tous, pour que tu puisses recevoir cette missive au plus vite. À très bientôt, cher ami. Signé, Max, 92, la puissance de 7-0, brave à gonfler, couleur à la rue, pèse les racistes en brochette. Ça va trop vite, ça. J'arrive pas à écrire ça. C'est quoi ce pseudo nul, là? J'arrive pas à l'écrire. C'est sérieux, quoi? Mais pourquoi t'envoies une lettre? Gros, on est en live, là. Ouais, vas-y, c'est bon. Tiens, mon grand, vole de tes propres ailes. Vole, mon bébé. T'inquiète pas mon Maxou, j'arrive bientôt. Merci mon Elian. Ah il me manque hein. Comment sa petite bouille elle nous manque hein, quand même. La lettre est arrivée aussi vite. Bah, c'est le pigeon. C'est le pigeon qui est venu. Il a vraiment voyagé en 5 secondes. Il était peut-être un peu malade ou enfin tu sais les pigeons c'est un transit sensible. C'est là que je trouve ça fou, c'est que on est sur une émission très inégale en fait. Tu vois, moi j'ai trouvé la séquence d'avant hyper cool et autant celle-là. Bah alors tu fais bien de dire ça. Mais moi encore une fois c'est juste en bienveillance. C'est non, mais Kev, on ouvre la critique. Franchement tu fais bien de dire ouvert, ça. Quoi. Non mais il a raison de dire ça. Tu sais pourquoi? Parce que ce gars-là, il présentait une émission que moi je trouve. Excuse-moi, hein, je vais dire les termes, mais vraiment d'une bassesse. Oh non, c'était nul. C'était nul. Voilà, il présente un truc, ça s'appelait Merde ou Nutella. Ah, mais le truc vraiment. Ça sert à rien de dire le nom, franchement. Ouais, en fait, c'est gras. C'est-à-dire, t'es là et il y avait l'invité, devait se lever, renifler un truc et dire si c'est de la merde ou du Nutella. C'est puéril. C'est un niveau. Puéril. Donc, il est pas là. Il est pas là. Donc, on le fera pas. On fera pas. Il y a pas de merde ou Nutella. Et là, pour le coup. Bienvenue dans Traces de Pneus ou Traces de... Pneus ! Eh oui, c'est l'émission que vous adorez tant. Et aujourd'hui, on a un invité de marque, on a un invité de qualité, une star, hein, finalement, parmi nous, qui a commencé l'humour très tôt, et qui aujourd'hui nous fait le plaisir d'être ici, avec nous, pour Traces de Pneus ou Traces de... Pneus ! Eh oui ! Alors aujourd'hui, Kev Adams, si tu veux bien venir à côté de moi... Vas-y, mon Kev, vas-y. Tu vas y arriver. Allez, mon Kev. Tu vas devoir, finalement, décider si, sur ce slip, ce merveilleux slip, si c'est une trace... Oh, putain. De pneus ou une trace de pneus avec le caca du cul, quoi. Le caca. Voilà. Bon, je te laisse me dire si c'est une trace de pneus ou si c'est de la merde finalement. Je dirais que c'est une trace de pneus. Trace de pneus. Trace de pneus. Bah, le jeu c'est trace de pneus ou trace de pneus. Trace de pneus. Bah, je dirais trace de pneus. La trace de pneus. Et évidemment c'est gagné. C'est gagné. Eh ben oui. Finalement, c'est une trace de pneus. Et pas celle-ci avec mon Nissan Qashqai. Et non, pas celle-ci. Pas celle-ci. Bravo. Merci à tous. Bonne soirée. Bravo. Merci, ouais. Yes.
Eh merci, franchement. Très très fort. Très fort, hein. À bientôt. Eh vous, je vous kiffe, monsieur, hein. Et moi aussi, je te kiffe. Pas comme les émissions concurrentes, des fois, qu'on voit. Eh non, t'as dit, si on est là pour... Moi, je disais inégal, ça, c'était sympa, j'ai trouvé. Ah, tu vois, t'as dit, comme quoi, ça, c'est sympa. Ça a été fort, t'as trouvé direct. Ouais. En fait, j'ai aimé l'énergie du gars. Eh, voilà, voilà. T'as dit quoi? Voilà, voilà. Bon, ben voilà, voilà. Kev. Ouais, je crois que je l'ai. Voilà, voilà. Ouais, je l'ai, je l'ai. Ça y est, je l'ai. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Je l'ai, je l'ai. Je l'ai, c'est c'est son one man show, son deuxième en fait, ça s'appelle comme ça. Parce qu'en fait, je voulais parler de ça après. Et je me suis dit, là, j'ai une transite malade. C'est vrai que j'ai une transite. J'ai une transite baiser. Là, je me suis dit, j'ai une transite de baiser. J'ai une transite de baiser. Hé, les mots vulgaires là. Sur Twitch. Donc voilà, après plusieurs. Bon, deuxième one man, plusieurs projets signés sur lesquels on reviendra un peu plus tard, bien sûr, dans l'émission. Bien sûr. Parce qu'en 2016, là, t'annonces un gros truc. Tu annonces le spectacle. The spectacle, le spectacle, celui qui a un petit peu confirmé un petit peu ta présence, qui t'a... J'ai pas de mots. Ça m'a... Ça t'a quick, c'est bien sûr le spectacle avec Gad. Vous enchaînez 5 Bercy d'affilée. Quel rappeur peut faire ça? Orelsan. Orelsan, il a fait 3... Ouais, il peut le faire. Orelsan, il a fait, ouais, il peut le faire. PNL peut le faire. Damso, peut-être. Gazo peut peut-être le faire maintenant. Ok, il y en a peut-être beaucoup. Moi, je pense que je peux aussi. Nekfeu le fait les yeux fermés. Sans aucun... Nekfeu peut faire le double, je pense. Damso peut vraiment le faire. Damso, je l'avais dit, si je peux me permettre. Ok. Bah, il peut... Moi, je pense que j'en fais 2-3. Bigflo et Oli, je pense pas le faire également. Non, toi, peut-être, tu remplis un... Le bar d'à côté. Si t'as de la chance. Est-ce que tu peux remplir ce ratio, mon frérot? Ça remplit pas un ratio, c'est. Ça se fait sur un pain, réponse. Beaucoup B, frère. Ah, je parle pas avec moi. La dinguerie, tout simplement, Kev Adams. Je peux t'appeler Kev Adams? Les gens t'appellent souvent Kev Adams, je pense. Ouais, bah, donc c'est, je vrai, c'est vraiment son nom, quoi. Bah, non, okay. je m'appelle Kevin. Donc Adams. Tu m'appelais Kev ou Kevin. Ok. Mais les gens aiment bien dire Kev Adams. T'es cousin avec Kevin D'ailleurs, Costner. Souvent, les gens mettent un A. Ils m'appellent Kev Adams. Personne quoi dit ça. Je sais pas. Personne dit ça. Mais les gens me disent ça. Je pense que. Ça va, Kev Adams. Ah, ils disent ça, les gens. Cette scène n'est jamais arrivée. Ah, c'est Kev Adams. Franchement, les gens qui disent ça, c'est des enculés. Ouais. Hey. Sérieux ou quoi, là? Je sais pas, j'ai voulu mettre un peu de tension. Tu veux mettre du peps ou quoi? J'ai voulu créer du peps. On t'a embrouillé plein de ses fans, là. Il y en a 5-6 au moins, là. Eh, venez pas me parler, ceux qui disent ça. Parle pas comme ça de Kev. C'est mon pote. On est potes de ouf. Il te connaît pas. Première partie de Gad Elmaleh en 2010. Ouais. 6 ans plus tard. Okay. One man commun. Du coup, c'est pas un one man. Spectacle commun. Spectacle commun. Comment t'as vécu ça? C'est comme ça, un album en commun, en vrai. Oui, c'est pareil. T'as dû vivre un vrai... genre une consécration. C'est fou, quand même. Alors, le mot, c'est consécration. Mais ouais, sinon, ouais, j'ai vécu un truc... Parce qu'en fait, je suis dyslexique et j'ai une maladie. C'est faux, c'est faux. Il a juste des soucis particuliers. Il fait bah. Ouais, non, mais moi, j'ai kiffé. C'était fou, t'imagines? C'est le gars qui m'a donné envie de faire de la scène. Bah non, j'imagine pas. Je fais une émission de miteuse. Je reçois des invités. Non, je sais que t'imagines pas, mais c'est une expression. C'est une phrase respectueuse quand quelqu'un est en place. Il dit, t'imagines? Non, je peux pas imaginer. Bah non, j'imagine pas. Non, je peux pas imaginer. Putain, bien sûr que j'imagine. Mais ouais, c'était fou. C'était fou de faire des Bercy, de faire... De jouer avec lui, surtout, tu sais, dans l'humour, moi, c'est ce gars-là qui m'a donné envie de monter. Quoi, à tout Call ça, of donc, De quoi? Tu joues avec lui. À quoi? Overwatch, Fortnite, c'est comment? En fait, Grim, moi, je vais cotiser. En vrai, je vais casser mon livret A, je pense, et je vais engager quelqu'un pour qu'il te tue. Sur Minecraft, non? Dans la vraie vie. Genre, vraiment, je pense que je vais t'humer. Si. Non, mais comme ça, tu sais, tu vois, juste au cas où... Bon, en vrai... Pardon, Kev, tu peux reprendre? Non, mais je trouve que vous avez une belle relation. Dans GTA. Dans GTA RP, School RP, c'est dans School RP que je vais te tuer, pas dans la vraie vie, bien sûr. Bref, et donc voilà, on a fait. Parce que je peux être ban, sinon, je pense. Tu peux être ban. Je pense qu'on peut être ban s'il y a une menace de mort. Ah, une menace de mort, ouais. Et là, c'est le ban. Arrêtez, on continue. Du coup, et donc on a fait 8 Bercy ensemble, effectivement, et c'était un truc de fou. 8 Bercy. Mais tu montes tes chiffres là, t'étais à 5, là, tu dis 8, ça va être quoi après 10? Non, j'ai pas osé te corriger quand t'as dit 5, mais ça va être quoi après 9 ou 10? Ça va être quoi après 11? Doux. J'en ai fait que 8. Et c'était très cool. Et j'ai adoré cette expérience. Et c'était fou de pouvoir jouer dans toute la France avec le gars qui t'a donné envie de. Parce que comme c'était footballeur et tu joues avec Zidane tous les soirs en duo. Ouais, bah oui. Ouais. Et c'est quoi l'accueil des humoristes déjà en place d'ailleurs? Parce que toi, t'es arrivé quand même d'un coup. T'arrives avec Gad. Bah, il était pas ouf. Pas ouf. C'est vrai? Non, bah ouais, pas ouf. Parce qu'il y a beaucoup de concurrence et que tout le monde a envie d'avoir sa place. Et c'est normal. Et c'était chaud. Et il y a beaucoup de gens qui étaient pas hyper contents de... Ah, et ça te le faisait comprendre. Il y avait vraiment de l'animosité. Ouais. Ah ouais. C'est moi qui filmais, je me rappelle. Ça c'est ouf, spectacle, quand même. C'était très très chaud, je filmais là, j'étais charmé. Je sais même pas c'est quoi ces images, je sais même pas d'où ça sort. Bah, c'est moi qui les filmais. Je me suis incrusté sur scène, j'ai filmé, tu vois, et je les ai envoyés. Grim, ouais. T'avais 15 ans, ouais, c'est possible.
C'est faisable. C'est faisable, c'est vrai. On ne peut pas contredire malheureusement. C'est peut-être vrai. Ce spectacle, Tout est possible, va être aussi diffusé sur M6 devant genre 4 millions de personnes. En vrai, c'est assez dingue en vrai. Ouais. Genre, c'est des... Je ne sais pas quelle émission aujourd'hui fait 4 millions. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup à la télé. C'est un vrai retentissement. Toi, tu l'as vécu comment ça? Parce que c'était une deuxième charge, même si là, tu étais déjà bien implanté. C'est encore... Ça confirme encore le truc. Comment tu le vis, toi? C'était incroyable. Ouais. Ouais, c'est sûr que c'est fou. On va passer tout de suite, Kev, à une autre question. Ah. Mais avant ça... Oh, oh waouh. Waouh, c'est l'accent cam. Attention, ça va arriver sur qui? Ah, c'est comme dans les stats, tu sais, il y a les kiss cam et tout. Attention, l'accent cam. Accent cam. Oh, non, elle va arriver sur qui? C'est sur qui? Elle va aller chez qui? Non. C'est moi. C'est quoi? Attends, Oh là là. Voilà. Bonjour, un croissant, s'il vous plaît. Un chocolat. Ah, trop fort. Le café au lait. Elle est trop forte, ce jeu. Tiens, c'est bon? Ouais, continue. C'est bon, c'est validé, je pense. Hello there. My name... Oh. Oh non, ça va être sur qui? Sur qui? C'est qui, sur qui? La prochaine cam. Oh. Non, pas moi, s'il vous plaît, non. Non, pas moi. Oh non. Accent de l'OM, vas-y. Oh putain, Kong. Bon, les gars, moi je suis sur la canne bière avec Payette. Je suis à la commanderie, après je prends les pastis. Hein, m'a gâté. Ah, t'es pas en fait, Ça va être qui? Oh là là, oh, je vais voir. Ça va être à qui? Oh, c'est à quel? C'est l'accent chinois. Vous êtes vraiment des enculés. French Cheval. Quoi? C'est un chinois de Marseille. Il a le droit de. Il a le droit de faire ça. C'est vous qui êtes raciste. C'est un gars qui est d'origine asiatique qui vit à Marseille. French Cheval, c'est relou de. Ouais, toujours m'a ramené à mes. Attention! Mais non, c'est un chinois de Marseille. Ok. Ramené à mes. Non, on le disait juste avant! Tu prendras très vite le chemin du cinéma. Premier gros rôle, l'épreuve en 2013. Grosse production en 2015. Un classique avec Black M. D'ailleurs, Black M, t'as aussi French été dans le clip avec Madame Pavoschko. T'as été aussi dans le clip avec Madame Pavoschko. C'est un bon pote à toi, Black M. Hey, hello, bon. Non, l'accent cam. Ça pue un peu plus la cam. Tu peux refaire ton accent normal. L'accent normal, la voix normale, c'est fini. Voix normale, voix normale. Hey, comment ça va? Non. Bon, ok. T'es pote avec Black M? Je suis pote avec Black M, moi je l'aime beaucoup. Mais en général, je vais pas dans les clips de gens que je connais pas. Tu veux venir dans mon clip? Bah non, je te connais pas. Ok. Et moi dans mon clip? Bah non. Ah oui. Bah c'est bien essayé. Hein. C'est honnête. C'est bien essayé. Mais ouais, je suis très pote avec Black M, je l'aime beaucoup. Ça s'est bien passé, c'est vrai que c'était quand même inédit pour un rappeur de se dire je vais faire un sketch avant, même si la chanson est quand même assez mainstream. Au milieu, c'était au milieu, ouais. Ah, c'était pas du tout au début. Mais t'as même pas lancé le clip en fait. Au milieu. Ça fait A-L-A-D-I-N, le bizir, tu sens, il a une petite N. Ah bah à partir de là, ta connaissance s'arrête. À partir de N. T'avais plus de trucs, t'es parti. Non, en... le bizir, tu vois, je peux me permettre, c'est très cool parce que même moi je me rappelle pas de ses paroles. Tu te rappelles pas? Non, je me rappelais même pas. Ah, mec, t'as fait un feat avec Black M. T'as fait un feat avec un des plus gros rappeurs. En fait, moi de base, je suis très très fan de Section d'Assaut. Ouais. Et c'était fou de pouvoir. T'as coché encore un truc là. Ouais. Genre... C'est vraiment ça. En plus, tu sais que tu dis ça un peu en mode léger, mais c'est un vrai truc. Qui passe en mode léger. Moi, je suis en mode à mort de réalisation de rêve. Bonjour. Bonjour. Je suis honoré d'être devant toi aujourd'hui. En fait, pour tout te dire, après avoir regardé le clip, j'ai tout de suite envie de lancer ma propre école de Michael Jacksonnage. Ah, c'est vrai. Wow. Je me dis que, qu'aujourd'hui, peut-être, si j'avais la possibilité de faire une démo devant toi, je me dis que c'était une bonne idée. Ah, qu'est-ce que t'en dis? Il a des tocs, non? Il a c'est une école de, mais c'est l'école de Michael Jacksonnage. Wow. Okay. Ouais. Sorry. Let's go. Vas-y. Oh, mais il a chanté avant la musique. Il savait déjà. Waouh! Hey, il est un peu fort quand même. Ouais. Ça se voit que c'est un vrai prof. C'est vrai, il a vraiment fait l'école de Michael Jackson, quoi. Wow, Michael Jackson n'a jamais fait ça. Non. Wow. Michael could never do this. Wow! Applaudis. Mais c'est quoi ça? Mais
Parce qu'en fait, dans le sketch, tu dis école de Michael Jacksonage, ouais. Et du coup, on trouvait que c'était sympa de. Là, c'était marrant. Ouais. D'avoir un prof de Michael Jacksonage, t'as kiffé la séquence? Ouais. Franchement, celle-là, je l'ai trouvé très mignonne parce qu'il était sympa lui. Bah, ouais. il a fait. Il a bien fait Michael Jackson. À un moment donné, il a fait une danse de. C'est plus Michael. C'était plus. Pas, c'était pas lui. À un moment donné, c'était Michael Jackson. Vraiment, c'est vraiment ouais, il a fait vraiment un mouvement de. C'était algérien quoi. Il était algérien. Ouais, ouais, complètement. Mais après, il est revenu en Michael Jackson. C'était très sympa. Ouais, c'était bien. Il a jonglé un peu entre les deux. Ouais. Entre tradition et modernité. Michael Jackson et Michael Hellacon. C'est ça. Bah le. Tu sais quoi, Kev? Je vais dire une vérité. Dis-moi. C'est fini les refs. Ah, c'est terminé les refs, les petites refs. Tu ouais, les t-shirts, les sodas, les Michael, les Black M. Pas les sodas, les sodas en vrai c'est cool parce que les gens kiffent beaucoup soda. Ils kiffent bien soda en vrai. Non, oui, mais moi comme je te disais, c'est bon. Ok. On a dit on y va quoi. On y va. Voilà. Ouais. Le ciné, donc presque 20 films non, en 15 coup, ans. Quand même, on peut en parler. Tu t'es fait valider par Offset dans ton son. Ah, ça, faut revenir dessus, les gars. Kev, il faut que tu racontes cette histoire, j'avais oublié ça. C'est vraiment un enculé ce mec là. Vous aviez un passif tous les deux, vous le saviez pas. On avait une histoire avec Grimm. On avait un historique qui était que en gros, il avait fait un montage d'enculé où on voyait le c'était quoi, c'était quelle chanson, c'était Aladdin. C'était Aladdin. C'était Offset et je faisais genre moi ça fait Aladdin et il avait mis, tu connais ce truc où t'as des carrières qui regardent des rappeurs français et qui sont en mode oh, je valide. Ouais, voilà. En fait, on l'a fait aussi. Nous aussi, on a pu aller chez DQ et écouter des sons de musique et tout. Et donc, il a fait le montage. On a grave du buzz. Et moi, de manière extrêmement débile, un jour, je suis en tournée entre deux dates, je regarde mon téléphone et je vois As. Et il y avait une de mes fans qui était hyper mignonne qui a dit oh, c'est trop cool, le gars a validé. Et donc, moi, je me dis, elle a dû voir un vrai truc qui est validé. Et donc, moi, je retweet en mode incroyable. Ok. T'es validé. Et là, je vois plein de réponses de. Lol, mais quel bouffon! Ok? Et là, je me dis, mais pourquoi suis-je? Pourquoi suis-je un bouffon? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Toi, tu t'es dit, je comprends. Il a kiffé mon couplet, en fait. Mais carré, ils savent pas qui est qui, comment. Bah ouais. Pourquoi. Des fois, tu leur fais écouter des trucs, ils ont aucune idée de qu'est-ce que c'est. Ça a fermé des gueules, ça. Ah putain. Et donc, je vois le délire, et je me dis, ah énorme, putain, trop stylé et tout. Franchement, ça va être trop stylé, parce que les carrés connaissent pas les potentielles polémiques qu'il peut y avoir sur le film ou sur la chanson ou en mode c'est de la merde, etc., etc. Et donc, je me dis, énorme, la meilleure vengeance, c'est d'être validé par un carry. Et évidemment, je me rends compte que c'est cet enculé qui a fait un montage et donc je suis allé à fond dans le piège. Et c'était à combien de temps, ça? C'était à quelques 2-3 ans, au moins. Il y a 2-3 ans. Putain, c'est ouf. Franchement, bravo. Achievement de fou. Non, merci. Merci. Fort. Non, fort. Merci. Merci d'y avoir cru. Et toujours pas parce que t'as roté, mais sinon, bravo. Mais sinon, c'est bien. C'est bien. Et moi, il y a un truc qui m'étonne quand même, c'est 20 films en 15 ans. Déjà, ça charbonne. D'énormes succès commerciaux. Beaucoup de critiques, évidemment. On va y revenir. Et c'est un petit peu le thème qu'on va aborder maintenant, puisque ton spectacle maintenant parle un peu de ça. Parle de ton image, etc. Ouais. Donc, c'était assez important de l'aborder. Comment, toi, tu vis ça? Ce décalage justement entre le succès que tu as et les critiques, donc toujours les mêmes remarques même après 15 ans de carrière, alors qu'on sait que ben voilà à quel point c'est pas facile de rester. Toi tu restes, mais il y a toujours ce truc de énormément de critiques et tout. Comment toi tu le vis de ton côté? Écoute, je me vis comme. Écoute, au début ça me faisait franchement mal. Tu sais, genre tu te donnes, tu te taffes comme un ouf. Après ça peut ne plaire ou ne pas plaire, c'est le jeu. Tu vois, tu proposes des œuvres artistiques. Il y a un gars qui a une salle de muscu derrière. On a une salle de muscu. C'est possible. Ah ouais. Mais j'ai entendu des bruits d'haltères, donc c'est fou. Ce serait impossible. Ah ouais, c'est impossible. Et donc, au début, ça me faisait franchement mal, puisque je me disais, vas-y, je donne tout pour les films, pour les spectacles. Et moi, j'étais vraiment à fond, tu vois, dans mes trucs. Et après, je me disais, bah, si t'aimes pas, tu passes à autre chose, tu vois. Et puis, avec le temps, j'en ai tellement pris que maintenant, je suis devenu un peu une espèce de Andoloris. Je sais pas si vous jouez à Hogwarts Legacy en ce moment. Complètement. Moi, je suis à fond là-dedans. Et bah, je suis un peu en Andoloris de ce délire, voilà. Et donc, puis ça veut dire que tu te dis. Il y a une très jolie phrase qu'un jour mon grand-père m'a dit, qui, je me rappelle, il m'avait dit très important, rappelle-toi. Voilà, on s'en bat les couilles des fils de pute. Donc je me suis dit. C'est lui qui a dit ça? Ouais, c'était mon grand-père. Ouais. C'est vrai? Il est grave jeune, il fait grave. C'est un peu en mode Peter Parker. Genre, ouais. C'était un grand-père vraiment dans le coup, quoi. Ah ouais, c'est beau ce qu'il a dit. C'est beau ce qu'il a dit. Et en vrai, aujourd'hui, je me dis, les critiques, ça fait partie du jeu, c'est cool. Ouais. Je vais pas vous mentir, il y en a, je les trouve vraiment marrants. Bah, ouais, mais il y a un peu vraiment marrant, je parle pas de toi, ouais. Mais il y en a vraiment des très marrants. Le côté un peu injuste de, au pire les gars, je fais rien de mal, tu vois. Ouais, mais tu sais quoi, je crois qu'on a que ce qu'on mérite dans la vie. En vrai, moi, quand je rêvais de faire ce métier, j'étais un peu un haters. Ah, tu penses que tu mérites un peu ça? Je matais des gars, alors pas aussi longtemps, ça y est, tu vois. Ça y est, là, on a compris. Mais pendant toute une période, moi, quand j'étais jeune et je matais des gars et tout, et j'avais tellement la rage de les voir eux à la télé et pas moi, que ça m'arrivait souvent d'être en mode, mais il a quoi lui? Mais il est éclaté, lui. Les profs, et le problème, c'est qu'on vit dans une génération, en vrai de vrai,
où on le sait, et c'est peut-être je vais partir un peu trop sérieux pour cette émission, mais je vous dis ce que je pense. C'est ce qu'on aime aussi. On est un peu dans une génération où on préfère, je le vois avec mon petit frère qui a 17 ans, je le vois avec les jeunes et tout, t'es un enculé, on préfère le clash. Oui. Aux gens qui, tu vois ce que je veux dire, qui sont en mode venez, on est bonne vibes, venez, on est bon délire, venez, on est tous ensemble. Je sens que souvent, moi, tu vois, je vois que souvent, ça intéresse peu les gens. Moi, quand je suis en mode ah, merci à tous, c'était trop cool, oui, on s'en branle. Alors que dès qu'il y a un clash avec quelqu'un, tout le monde est à fond. Quoi. T'en as même fait un film ? J'en ai fait Hater. Un film. Exact. C'est quoi le but de ce film ? C'est de dénoncer ça ou juste. Haters gonna hate, stop the hate, spread the love all around the world, stop hate. Il y a un petit message aux haters, tu vois, pour qu'ils arrêtent de hate, quoi. Tu sais, ouais, c'était ouais, du coup, ouais, c'est quoi le but un le peu film, derrière c'était, ça, ça t'a inspiré, l'idée c'était ouais de parler de ça et surtout de parler du fait que moi je me suis fait massacrer sur internet nombre de fois et rarement dans la vraie vie. Souvent quand je rencontre des gens dans la vraie vie en vrai quand moi, on ça m'est arrivé une fois ou deux de rencontrer des gars qui étaient en mode moi je te le dis mec j'aime pas ce que tu fais. T'es trop caisse. C'est hyper irrespectueux de faire ça. Mais, ok, on part sur un selfie. En direct, les gars, avec Kev Adams, on est en pleine maman, émission. Salut maman, je suis avec Kev. Zoom, zoom, zoom. Zoom sur Kev. Tu peux dire un truc à ma mère. Hello, hello. Bah, on se voit ce soir. Virginia aussi. Ça allait dire bonne journée et bonne semaine. Pourquoi tu prends la voix de. C'est bon, on enchaîne. Donc ouais, c'était l'idée de Hater, c'était de montrer que souvent les gens, quand tu les croises dans la vraie vie, ils sont beaucoup moins virulents que sur Internet. Et je trouve ça fou d'ailleurs. Il y a plein de gens que moi j'ai rencontrés dans la vraie vie, ils étaient plutôt cool, ou en tout cas plutôt sympas et polis. Et après je vois sur Twitter, ils sont en mode « Ah mais lui c'est vraiment que de la merde ». Et je me dis, c'est fou, c'est une telle différence entre Internet et la vraie vie. Je veux dire, on pourrait. Enfin, moi, ça me vexerait pas si tu me vois dans. Évidemment, si tu m'insultes, c'est relou, mais si tu me dis, j'aime pas spécialement ce que tu fais, cool, tu vois, il en faut pour tous les goûts, il n'y a pas de galère. Mais d'avoir une vraie différence de bonjour, ça va, tu vas bien, c'est cool, et après, voilà. Est-ce que toi, tu crois qu'il y a eu cette étiquette-là parce que tu as commencé très jeune et du coup, tu as gardé ce truc-là de le jeune humoriste, machin, qui fait des blagues sur le cours de techno ? Je pense que ça joue. Je pense qu'évidemment, tu vois, il y a des gens qui ont l'impression que je fais encore des blagues de prof de techno et de prof d'histoire, alors que forcément, je les faisais quand j'avais 18 ans, j'en ai 31 aujourd'hui, donc je fais des blagues de 31, c'est logique. Oui. Et on était tous pas pareils, je pense qu'on était tous pas pareils à 18, à part peut-être lui, puisqu'il a 19, mais sinon, à 18 ans, on est tous différents, tu vois, de 15 ans, où on évolue, quoi. Et malheureusement, quand tu commences dans une j'ai pas le mot. Bref, une boucle temporelle. Non, c'est pas la boucle, non. Un gag. Non, plus. Quand tu commences, c'est quoi ? Quand tu commences. Et ben l'image que t'envoies, elle reste Keblo. Donc je pense que ça joue. Et ensuite, je pense que moi, j'ai jamais pris le temps, parce que je me suis toujours dit, gars, il y a des jeunes qui te suivent et tout, tu peux pas prendre le temps d'insulter les mères de tout le monde. Et Dieu sait que j'en ai eu envie parfois. Ouais. Et du coup, bah, j'ai toujours été en mode. Insulté ma daronne une fois, je m'en rappelle. Non. Ouais, la mienne, il y a 5 secondes. Oui, mais lui, non. Ok. Et je me suis toujours dit. Ne réponds pas. Et en fait, le fait de ne pas avoir répondu pendant des années, je pense qu'il y a plein de gens qui se sont dit, en fait, c'est cool, lui, c'est presque devenu marrant et cool de clasher ce gars. C'est la bonne victime, on sait qu'il ne va pas répondre, on sait que c'est cool, on sait qu'on peut aller dire, hey, il pue la merde, il est nul, il pue la merde. Et voilà. C'est et c'est qui dit ça. qui dit ça arrêtez, les gars, qui a dit ça, l'arrêtez. Arrêtez, vous savez qui a dit. Et du coup, voilà, je pense que tous ces trucs-là. Et puis, je sais qu'il y a des gens qui n'ont jamais vraiment vu ce que j'ai fait et qui répètent aussi le truc parce que c'est cool parfois de répéter ce que le gars a dit. Quoi. Et alors, peut-être, il y a un truc, alors peut-être, c'est une hypothèse à la merde. Mais aujourd'hui, on a vraiment l'habitude de voir des jeunes percer très tôt. C'est vrai. Genre à 17 ans, des youtubeurs qui ont des plusieurs millions d'abonnés. Mais c'est ce que j'allais dire. Venez Fortnite, un Kinox. La ferme. Hop, la ferme. Salut, salut. Hop. Ouais. Je vais vous faire signer un petit truc rapidement. Ouais, vas-y, voilà, t'inquiète. Tu signes. Mais ce que je voulais dire, hein, pour l'avenir. Ça marche. Bah, mais ce que je voulais te dire, c'est quoi ? Il y a plein de gens qui ont percé très jeunes aujourd'hui maintenant, et on a l'habitude de. Et du coup, de plus en plus jeune, il y a la pression. Il y a. Je te le rends. On a l'habitude de voir ça. C'est bon. Est-ce que toi, tu penses que t'as pas percé très jeune alors que ça se faisait pas à l'époque ? Et du coup, tu t'es retrouvé un peu porte-parole des ados à ton insu, un peu en mode lui dans les plateaux télé. On veut parler aux jeunes, c'est lui. Totalement. Il y a pas d'autres gens. Et c'était relou. Enfin, j'ai payé le prix de ce truc-là, en fait. Et je suis le dernier aussi qui s'est fait connaître avec la télé. Maintenant, toutes les nouvelles générations, ils se font plus connaître avec la télé. Les jeunes, ouais, c'est vrai. Il y a une vraie défiance, pour le coup, entre la télé et YouTube. Moi, je sens qu'il y a une scission. Je sens que les gens de YouTube, ils ont envie de rester entre les gens de YouTube. Parce qu'il y a un peu un côté aussi, c'est pas normal, les portes de la télé nous sont fermées alors que c'est nous qui faisons les vues aujourd'hui. Et inversement, t'as les gens de la télé qui sont complètement déconnectés de la réalité et qui comprennent pas qu'aujourd'hui, le premier média, c'est YouTube, c'est Twitch. Enfin, c'est très important. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est super dur de réunir tous ces publics et d'essayer de leur faire comprendre que tout le monde peut s'entendre. Mais ouais, moi, pour te dire, je suis le dernier jeune qui a pété avec la télé. J'ai 52 ans. C'est dégueulasse. Ah, c'est ça qui sort là. Mais frère, sérieux.
T'as vu, ça, ça fait toujours rire. T'es un bâtard, c'est un truc super sérieux, tu l'as coupé. Et là, tu vois, moi, même moi, j'étais en mode, là, c'est cool ce qu'il dit, je vais pas faire de petites blagues et tout. Non, c'est et pas là, grave, c'est pas grave. Voilà. Kev, nous, on se comprend. On est ensemble. Non, t'es un dégueulasse, mais j'aurais pas dû te couper, par exemple. Non, mais t'as compris, en tout cas, vous avez compris ce que je voulais dire. Non, j'ai compris, et il y a un truc, c'est vrai qui est fou, c'est que pour la télé, pour l'ancien monde, non, ça serait un peu. Wow. Si, si, t'as raison. C'est un peu démagogue de dire ça. C'est vrai que c'est l'ancien monde. Mais en fait, en moi, je vois que mon frère, moi, quand j'étais petit, je matais la télé avec mes parents, et genre, on avait quand même des points de. Tu vois, il y avait certains médias sur lesquels on s'entendait, où on se disait, ok, c'est cool, tu vois ce que je veux dire. Je matais la météo avec ma rhum, premier samedi soir sur Canal avec mon rep. Il y avait une ambiance, quoi. Avec Mam, c'est Paps. Par rapport à Soda, l'émission, qui est trop bien d'ailleurs. Et aujourd'hui, il n'y a plus de points de connivence, c'est ça que je veux dire. C'est vrai. Les jeunes, ils regardent leurs trucs, les vieux, ils regardent leurs trucs, et c'est dommage. Ouais, mais du coup, toi, t'étais vraiment le ministre des ados. Il n'y avait que toi que les gens connaissaient. À l'époque. Donc, forcément, à l'époque, donc du coup, dès qu'il fallait parler aux jeunes, machin, c'était toi. Et je pense qu'il y a peut-être une méfiance, mais les gens ont dit, hey, y a pas... c'est pas lui notre représentant. Ouais, c'est la télé. De toute manière, en général, dans la vie, tu te détestes quand on te dit, lui, c'est ton représentant. Oui. La preuve avec notre président, les gens, ils aiment pas. Bang. C'est vrai. Quand on dit lui, c'est notre représentant, les gens ils aiment pas, ils sont en mode non. Bah, oui, c'est vrai. Bah, pas moi. Il me représente pas, ouais. Moi non. T'as même fait un faux sketch déguisé, qui est très drôle d'ailleurs, que j'encourage à voir, où tu te clashais toi-même. Exactement. Et après tu faisais le reveal et tout. C'était quoi le but un peu derrière ça? Bah, c'était de faire un sketch déguisé où je me clashais moi-même. C'est vraiment. Et après tu faisais un reveal. Et après je faisais un reveal. Et c'était le but derrière ça, quoi. C'était le but. C'est vraiment le but du sketch, quoi. En fait, le truc, c'est que je me disais, des fois il y a des haters qui sont très marrants. Autant tous ceux qui disent je l'aime pas, c'est de la merde. J'ai toujours passé le truc parce que je me suis dit mais c'est des attaques gratuites. Autant il y a des gars ils sont vraiment très marrants. Et je me suis dit j'aimerais bien si j'étais mon propre hater, qu'est-ce que je me dirais comme vanne vraiment marrante. Donc je les ai tout écrits. Et pour le coup, pour la petite anecdote, je me suis déguisé avant d'aller à la scène ouverte parce que c'était dans une scène ouverte. Ah, donc il y avait d'autres humoristes dans les loges et ils m'ont dit tu vas parler de quoi. Et j'ai dit je vais déglinguer madame, c'est vraiment de la merde et tout. Ah, oui, et d'accord. Les gars étaient tous en mode mais tellement gars. Ouais. Fonce. Mais du coup ils étaient tellement mal avec toi. Vas-y déchire lui la gueule. Tu vois ils étaient en mode ah putain cette vanne elle est énorme, dis-le et tout là. Donc j'ai fait le sketch, j'ai enlevé le masque et en sortant ils étaient tous en mode non mais on t'avait reconnu. Ah non et ils t'ont pas assumé. La lâcheté de l'homme. Chien. De faïence. C'est quoi ton rapport avec Internet aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'on a finalement aujourd'hui YouTube, c'est très ouvert et tout. On voit plein même de rappeurs et tout qui sont sur YouTube. C'est vrai. On t'a très peu vu avec des YouTubeurs, etc. et tout. Même les gens étaient très surpris en vrai de te voir ici. Bah parce que franchement, faut dire la vérité. Je suis d'ailleurs, je vous remercie une fois de plus de me recevoir aussi ici. C'est que c'est très fermé. En vrai, c'est très fermé. Moi, j'ai tendu la main à plein de gars et qui m'ont dit. Ah, qui t'ont dit non. Ouais. Enfin, pas non officiel, mais genre, ça, je remercie d'ailleurs ceux qui m'ont accueilli, genre Dwagby, on en parlait tout à l'heure. Big up, mon poteau, on est ensemble, t'as bien fait de lui péter la gueule. Hey, Dogby, Dogby, on va te retrouver, Dogby. Et Morgan VS et d'autres, tu vois, qui sont pour le coup des youtubeurs qui m'ont accueilli avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse. Et je me suis éclaté avec eux. Et il y en a plein d'autres, pour le coup. Je sais que. Ils m'ont jamais dit non officiel, mais je sais que c'est non. C'est, tu vois, ok. Ouais, ils t'ont fait comprendre. J'ai pas de planning. Ah, mon gars, c'est chaud là pour l'instant, mais ça va arriver bientôt. Exactement. Mais moi, je crois qu'il n'y a pas de honte à demander. Ouais. Et à se prendre des vents. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Même à la télé, des émissions que je voulais faire, j'allais voir les gars direct. Je disais, je peux venir. Et ils me disaient non. Et je me disais, c'est pas grave, ce sera plus tard. Ouais, okay. Tu peux me donner 1 million d'euros? Bah non. Toujours pas, hein, je crois. Mais tu vois, c'est pas grave, reviens plus tard. Peut-être plus tard, ouais. Peut-être dans 10 minutes. Tu regardes un peu Twitch. Déjà, tu fais des TikTok. Donc t'es quand même un peu sur Internet. TikTok, ouais. Mais Twitch, on n'y est pas, tu regardes pas. Pas beaucoup. J'avoue, ouais. Pas beaucoup, pas suffisamment. Ok, mais du coup, ça t'empêchait pas quand même de te dire ok, je connais pas trop le média, vas-y, j'y vais quoi. En fait, moi, je me suis fait massacrer dans les commentaires sur Facebook, sur Twitter, sur Insta, sur Pinterest, à peu près partout. Je me suis dit, il me manque Twitch en fait. Ah, je ne suis jamais fait ça. Massacrer sur Twitch. Mais je crois qu'on y est. On bombarde les gars. Je vais un peu te décevoir, mais personne. Pour l'instant, il n'y a pas de. Y a mais pas, ne t'inquiète y a pas, pas, Maxime, ça va venir. Ça, ouais, non, pour l'instant, regarde. Je te montre. Hein, t'as toute direction ici. Oh, wow. Il y a eu un oh, wow. Brestelinda. Non, mais les gars, c'est quoi ce bordel? Oh. Il a dit Bresta. Il a dit. Il a dit Brezaola. Brezaola? S'il vous plaît, c'est quoi ce bordel? Les gars, oh! On tourne. On est en train de tourner une émission, bro. Mec, on est en train. Non, sérieux, s'il vous plaît. Allô. Allô. Allez mon gars. On tourne une émission. Allez papa. Je suis en train de tourner une émission. Il y a Kev. Mec. Allez mon gars. Il y a putain Kev Adams ici. On a. Tu te poses. Non. Allez mon Maxime. Allez hop. Maxime, joue pas son jeu. Allez mon gars. Tu t'allonges. Attends, je te soulève ça. Mais les gars. Et hop là. Mais gros. Je peux pas. C'est le même gars qui faisait et Michael Jackson et la merde. Là. Non, y a rien à voir. T'es rien prêt à voir. Ça gars. Se voit que c'est carrément un coach de. Ok. Vie, quoi. Ah allez. Ah vas-y. Ce gars. Attends, est mais tu l'as soulevé. Mais soulève toi. Brrr. Mais mec. Ah
Allez, mon gars. Eh, Maxime, tu peux le faire. Tu pousses à la Allez. Oui. Oh, oui. Allez. Et tiens grand aujourd'hui. Tiens grand. Non, mais mec, c'est vraiment super proche de... Allez. Oh putain. Allez, Marc. Allez, mon gars. Mais gros, mais Grim, putain, dis quelque chose, bordel. Mais non, mais tu j'ai des poulies sur la tête, mon gars. Ça me fait des rébats, frère. On suit. Ah, allez. Putain. Et ça mais fait un ça bon pue la couille. Et ça fait un bon abond. Ah oui, il descend très très bas vers toi. Mais frère, il descend, elle touche le front. Oh là, et c'est fini. C'est fini, t'as fini la série. Bien joué, mon gars. Ça touche le front, ça touche le front. Tu peux reprendre l'émission, s'il vous plaît, monsieur. Allez, vas-y, mon grand. Prends plus tard, genre. Reprends plus tard, sérieux. Mais bravo, coach. Ouais, ferme les rideaux quand même, c'est mal poli. Mais du coup, Max. Non, mais c'est ça le truc aussi. Nous, on est contents, des garçons, ils nous offrent plein de trucs. Merci à eux d'ailleurs. Hein. Compte, mais c'est pas pour faire pendant l'émission, les gars. C'est sur le moment où tu te prends des couilles sur ton front qu'on passe les 100K viewers. C'est le record, c'est le record. C'est le record, c'est vrai. En vrai ? C'est le record qu'on fait avec toi. 100 000. C'est beau. En fait, en gros, c'est. Ah, tu veux dire le record avec moi, il y a eu mieux avant. Ah, non, c'est le record tout le temps de notre chaîne. Sérieux ? Enfin, ouais, de notre chaîne, ouais, ouf, en fait, c'est non, t'as l'air d'en douter, toi. Non, c'est 100 000 en simultané. Là, ça veut dire qu'actuellement, il y a 100 000 personnes qui nous regardent. Oh, okay. Ça veut dire que sur la soirée, il y a peut-être 400 000 personnes qui sont là, venues en direct. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quand même la moitié des Français qui ont regardé le live, c'est un truc de ouf. Alors là, t'es très nul en maths, mais aucun problème, mon ref. C'est pas très grave. Moi, je veux bien, si c'est possible, d'avoir un peu du robinet. Si c'est moyen. Merci beaucoup, c'est bouteille neuve. Et je voulais aussi vous dire que j'ai un profond respect pour ce gars, quand même. Eh oui. Parce que ce gars, il toutes les petites tanasses de l'émission, c'est pour lui. Ouais. Le pneu ou la merde, c'est lui. Le cours de sport, les couilles, c'est lui. Le Michael Jackson VTF de Wish, c'est lui. Et franchement. Donner de la force à Ben. Non, mais attends, ce gars, il est fort. Merci à Ben. Merci à Decathlon de nous avoir prêté tous les trucs. Ouais. Alors, pendant que Kev, tu te déshydrates, je voulais vous dire aussi merci parce qu'apparemment, on a passé les 300 000 followers sur la chaîne. C'est vrai que c'est une chaîne qui est assez jeune. Et je le dis jamais assez parce que voilà, c'est. On n'a pas le temps de le faire. Bravo, merci les gars. À tous ceux qui suivent la chaîne. Et n'hésitez pas, si ce n'est pas fait, suivez la chaîne. C'est gratuit et ça vous permet d'être au courant. Ma chaîne aussi Et bien sûr, la chaîne de Grim, on ne le dit pas assez aussi. Mais Grim, voilà, il fait des streams et tout. Donc n'hésitez pas à suivre cette chaîne, celle de Grim. Et donc voilà, merci beaucoup les gars. Yes. Ça ne coûte rien. Et puis on part sur... je crois que moi, du coup, je... pue la merde. Bah écoute, voilà, et quel il pue la merde, malheureusement. Suivez-le sur TF1, France mais 2. Attends, mais j'ai vu un truc. J'ai vu un c'est du génie. Il a vraiment fait deux minutes de suivez ce gars, suivez-moi, suivez-le, suivez-moi. Et donc, Kev, ce qu'on te disait, toi. Kev, t'as 7 millions d'abonnés. Tu veux quoi de plus? Non, mais je t'ai rien demandé. T'as 7 millions d'abonnés. J'ai regardé, si on enlève les footballeurs. T'es genre le 3 ou 4ème français le plus suivi, un truc comme ça, je crois. En vrai ? Mais c'est pas. T'es peut-être un des français les plus aimés gros, de France. Le 10ème, les 10 premiers, c'est que des footballeurs, ok ? Mais si t'es dans les tops, dans les magazines Gulli et tout, là. Ouais. Non mais frère, attends, écoute-moi bien, mec. Non mais tu dis la vérité, dans Spirou ou Pif Magazine, c'est vrai ? Tu sais, t'as Aya Nakamura... C'est Mickey Magazine. Ah. Oui. Et oui, j'y étais plusieurs années. Bah, tu vois, gros, en vrai de vrai, les 10 premiers, donc c'est des footballeurs. J'ai même été dans la personnalité préférée des Français, les vrais du journal du dimanche, la vraie liste. Okay. Et alors ? Et en fait, ils sont 50. Et il y a une année, j'ai été 49. Donc vraiment, tu vois, on the edge, quand vraiment même, prêt à sauter. Et l'année d'après, c'était fini. Aïe. Mais quand même, t'as fait ta petite popée. Quand même, non mais moi, je me dis, sur 65 millions de Français, t'es top 49. Top 49, ouais. 49. Une année. Le bro, c'est Goldman, on le voit jamais. C'est il est toujours fort. Premier. Parce que les gens, ils aiment, parce que les gens, ils aiment quand tu fermes ta gueule, en fait, quand t'es rare. Ah, c'est pour ça, tu vois. Ah, c'est pour ça que toi, Grim, t'es dans la merde. Quoi Kev, tu présentes en ce moment ton nouveau spectacle, ton 6ème. C'est vrai. Qui s'appelle Miroir. T'es actuellement en tournée dans toute la France. Et là, tu te foutais de ma gueule en mode ah, gne, j'allais y venir. Arrête de j'allais taper. Venir à arrête, la promo. Arrête taper la table sur. Non, mais c'est intéressant ou pas ce que je dis Miroir. Et attends, Miroir, moi, je réalise pas bien. Je me pose des questions aussi parce que je suis vraiment un. Comment tu dis les un noob, un nerd. Non, les gars qui sont vraiment trop vieux, pas drôle. Là. Un boomer. T'en profites là. Non, t'en profites, là. Non, on dit un boomer. Un boomer. Un boomer. T'es pas un boomer, t'as 31 ans, c'est un peu trop jeune. Je bon, bref, en gros, t'es vraiment un enculé. Et, vrai. En gros, ma question c'est beaucoup 100 000 en live ou par rapport à Twitch, qui se fait d'habitude. Oui, c'est beaucoup. C'est, en vrai c'est beau. C'est par beau, exemple, c'est Grim, quand il lance un live, ils sont 200. Alors déjà, on est mis. Oh, il a envie de rire. Il a envie de se moquer, regardez. Regardez, faites un zoom, non. Il veut se moquer. Il est en train de se moquer. Moi, j'ai une. Bah, en fait, moi, je pense que si moi je lance un live Twitch, on est 50, donc j'ai aucune moquerie. T'es déjà 4 fois plus, bravo. Tu fais plus que lui. On a 4 fois plus, bravo. Il a envie de rigoler. En plus, il ment, des fois, on est 1000 des fois et tout. Ça arrive. Oh, le prouve. T'es actuellement en tournée dans toute la France. Dedans, tu décides de parler de tout ce qui te touche dans la vie. T'as même dit que t'avais été jamais aussi libre pour écrire un spectacle. C'est vrai. Tu parles de quoi dedans, concrètement? Très rapidement. Il dure combien de temps? 2 heures?
Tu peux nous faire 2 heures, ouais. Bah, allez, bon, fais-nous le spectacle et... En gros, je parle de plein de sujets dont je voulais pas parler jusqu'à présent, parce que genre... Je sais pas, je me disais que, encore une fois, je m'adressais à un public qui parfois était jeune et qu'il fallait éviter certains sujets. Et aujourd'hui, je me suis dit, je m'en bats les couilles, on y va, montre-toi tel que t'es dans la vraie vie. Le CAC 40, et donc, la montée d'essence, l'inflation. Pas vraiment, non. Et du coup, je parle de plein de sujets, dont, entre autres, le harcèlement scolaire, qui est un sujet qui me touche particulièrement, puisque c'est devenu très très présent aujourd'hui, malheureusement. Tu passes le bac encore cette année. Le harcèlement scolaire, c'est un truc que moi j'ai vécu, les gens savent pas que ça peut avoir un impact sur la suite. Tu vois, moi, on m'appelait Kevo le Gros, par exemple, parce que j'étais vraiment extrêmement bouffi, quoi, tu vois. Et okay. Je me dis, c'est cool d'en parler, parce que j'ai un frère qui est, comme je te l'ai dit, qui est jeune. Et à mon époque, ça allait. Tu sais, je rentrais chez moi, j'étais détente. Le week-end, j'étais détente. Enfin, il y avait pas... Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens... Voilà, je crois que ça, c'est un sujet que j'avais envie d'aborder depuis longtemps. Et je le fais dans ce spectacle. Je parle d'écologie aussi, qui est vraiment un sujet de boomer, comme tu disais. Mais qui est un truc qui... Non, pour le coup, l'écologie, ça nous touche. C'est important, parler aux jeunes. Je parle de mon rapport à l'image, le fait que je fais un métier d'image qui est tout le temps à la télé, dans les médias, etc. Et que j'ai vraiment beaucoup de mal avec ma gueule. Donc voilà, c'est à peu près ça. Je dis que, par exemple, j'ai beaucoup de mal quand je tombe sur moi à la télé. C'est un vrai truc. Ah ouais. Dès que je tombe sur moi à la télé, je zappe direct, ça me dégoûte. Ah, tu t'es pas allé avec de moi ou un truc d'artiste. Je pense donc j'ai appelé Gad Elmaleh et Gad Elmaleh il m'a dit non c'est pareil que moi. Mais dis-moi quand tu passes à la télé par exemple, t'as rien sur toi. Je suis plutôt tu vois, je suis beau au regard, tu vois, du quand coup, tu ça, passes à la télé, quand t'allumes TF1 et que tu te vois, tu t'es c'est comment? Je suis content, tu vois, regarde, les gens t'envoient plein d'amour. Mais attends, mais gars, toi t'es déjà passé sur TF1? C'est mignon, merci beaucoup mec. Massinger, on a fait l'émission ensemble, t'étais dans un des costumes. Non, j'étais au jury. Très possible, parce que je connais pas la moitié des gars qui sont sous les costumes, je les connais pas. Donc j'étais au jury avec toi, mec. L'émission, là, l'autre fois, wow. Quand le mec est venu chanter, là, j'étais en mode, wow, c'est fort. T'as pas vu The Voice aussi, des fois, il fait? Ah, mais oui, c'est bien sûr. Big Flo. Ah, mais c'est toi le gars de The Voice. C'est lui le gars de The Voice. Il y a un gars de The Voice qui a. C'est lui. Ouais. C'est lui. Et du coup, ouais, Max, toi, c'est dur de te regarder à l'écran vu. Enfin, déjà. Oh, c'est quoi ce geste, là? Quoi? C'est quoi ce geste que t'as fait, là? Mais quoi? Ben non, mais. C'est quoi ce geste que t'as fait, Grim? Excuse-toi d'être raciste. Hein? Excuse-toi d'être raciste. Hein? Kev, on va reprendre, excuse-moi. Désolé. On a très bien vu ce que tu as fait et ça, c'est hyper vraiment... grave. Voilà. Ah, mais c'est grave. Je te le dis, c'est hyper grave. Et à cause de ça, tu passeras jamais sur TF1. Ah, mais vraiment, là, t'es parce foutu. Parce que je suis camerounais? Non, parce que t'as fait. Ouais, genre en mode Maxime, le juif. C'est ça que t'as dit. T'as dit ça, il a dit. C'est ça que t'as dit. T'as dit ça. Ah oui, t'as dit ça. T'as dit waouh, il est le juif avec son nez de juif. T'as dit ça, Grim. Et tout le monde l'a entendu. J'ai jamais dit. Tout le monde l'a entendu et t'es dans la merde. Il y a pas de problème, Grim. Il y a pas de problème. Il y a quand même un problème. Le thème de ton spectacle, Kev, c'est toi. Il s'appelle Miroir. C'est ton reflet. Comment est-ce que tu perçois tu te perçois? Pourquoi est-ce que c'est maintenant que tu décides de le sortir? Est-ce que c'est en mode t'as pris un peu de l'âge, etc.? Ouais, je me suis dit, j'ai écrit 2 spectacles cette année. Il y en avait un qu'on a balancé sur Netflix qui s'appelle Le Vrai Moi. Et oui. Tous les gens qui ont Netflix peuvent aller le mater. Et pour le coup, j'avais envie de parler de sujets dont j'avais jamais parlé avant. Et je pense qu'après ça, je vais faire une grosse pause de la scène. Ah oui? Ouais, puisque j'en ai fait beaucoup. C'est mon 6e, comme tu l'as dit déjà, en 30 ans. Let's go, man! Ça fait mal! 6e, frère! Ça y est! Ouh. Non, en vrai, non. Une pause, ça fait du bien à tout le monde. T'es vraiment une merde. Et j'espère vraiment qu'en ce moment, il y a un hashtag Grim antisémite sur Twitter. C'est vraiment mon rêve. J'espère. Mais non, mais moi j'aime tout le monde. Moi j'aime tout, voilà. J'aime tout le monde sauf vraiment tout ce qui est. Voilà. Et voilà. Donc en tout cas, ouais, c'est peut-être. En tout cas, je dis pas le dernier, mais un des derniers. Enfin, avant une grosse pause, ça c'est sûr. Ouais. Voilà. Comment t'as. Moi, il y a un truc. Et donc je me lâche. Tu te parles de plein de sujets. On l'a senti tout à l'heure, t'as pété. Comment t'arrives à te renouveler dans l'humour? Est-ce que chaque spectacle, c'est comme si tu devais conquérir genre un nouveau public, ou est-ce que tu as toujours une base qui vient? Pour moi, c'est à chaque spectacle, tu repars à zéro. Ah ouais. J'ai ouvert un comedy club qui s'appelle Le Fridge, oui, à Paris. Et d'ailleurs, s'il y a des jeunes qui rêvent de faire de l'humour, vous êtes vraiment les bienvenus. Et c'est une scène justement qui permet de tester des blagues. Et tu vas là-bas et tu testes. Et donc, à chaque nouveau spectacle, j'y vais et je joue devant 40 personnes et je teste mes blagues. Et je les teste jusqu'à que ça fasse rire. Et ensuite, j'y vais. Enfin, en fait, c'est pour ça que ça fait 5 ans que tu les testes. Exact, tu vois, l'humour. À un moment donné, tu testes et il faut que tu entends des rires, sinon, c'est pas bon. Ah, mais du coup, ça veut dire que chaque fois, tu acceptes de rejouer le jeu de je pars à zéro, je teste dans les petites salles. Tu te dis pas, ça y est, maintenant. Je suis ancré, je peux aller direct, merci. Je sors direct mon non, spectacle. À chaque fois, ça repart. Toujours du rodage, du machin. Ça repart à zéro, obligatoire. Et ça doit être intéressant comme exercice de passer d'une énorme salle à, ok, maintenant je repars avec 20 personnes. Bon, je sais pas si c'est 20 personnes, mais en tout cas. Il a dit vraiment que. Voilà, tu passes dans une petite salle. Mais je l'ai fait ce week-end, et c'était mortel. J'ai adoré ça. Et ça, parce que j'ai gratté des blagues en tournée, et je me disais, pas sûr d'aller les faire devant 6000 personnes, parce qu'elles sont vraiment, vraiment tangentes. Et donc, j'ai été au Fridge, j'ai testé les blagues.
Tu vois, et le lendemain, j'ai joué. D'ailleurs, je remercie les gens qui sont venus en Belgique. On est en Belgique aussi ? C'est en Belgique ? C'est partout, tout ce qu'on internet. Partout. Ouais. Oui, Mr. Worldwide. Shout out to Kev Adams. On était en Belgique, à Forêt Nationale, devant presque un peu plus de 6000 personnes, et la veille, devant 40 au Fridge, et c'est chambé. Ah ouais. J'adore ce grand écart-là. Et du coup, tu prends vraiment des vents ? C'est-à-dire que, du coup, comme tu testes, il y a des blagues qui marchent, il y a des blagues qui marchent pas ? Évidemment. En fait, il n'y a pas de cas. Si tu as peur de prendre des fours, et je ne dis pas ça par rapport à ton antisémitisme. J'ai rien dit. Si tu as peur de prendre des vents, ouais, tu ne peux pas faire ce métier. C'est impossible de faire ce métier. Tu peux pas. Ok, je comprends. Donc ouais, il y a eu plein de fois où je me suis pris des gros vents, et c'était génial, parce que ça m'a permis du coup d'améliorer, d'écrire des trucs cool. Ouais, c'est que comme ça, au final. Mais voilà, là, il dit je suis en tendance grime antisémite. Vous voyez ce que vous causez, là? Moi, j'aime tout le monde, moi, sauf Maxime. Bah voilà, tu vois. Grive flop énormément, le hashtag sur Twitter, c'est mais ça c'est abusé, c'est une dinguerie. Elle est bien l'eau du robinet. Ça fait peine à voir. Elle est très bonne. Elle régale. Hein. Ça fait peine à voir. Merci d'être là vous quand même malgré tout, malgré que voilà il y a Grim qui est là et on sait que c'est compliqué. On va passer à une séquence qui s'appelle le flop plus chaud. Non, attends. Je voulais revenir sur un autre truc. Quand même annoncer les dates. De ton spectacle, de ta tournée, en tout cas quelques dates. C'est très cool. Je les ai là, elles sont notées. C'est très cool, mais t'es pas obligé de le faire parce que je veux pas que les gens se disent ah le gars est venu juste faire sa promo. Ça me fait plaisir de le faire. C'est hyper cool de le dire. Bah voilà. Alors dans ce cas, fais-le très très vite. Ouais, allez vite. Miroir, c'est une tournée dans toute la France. Le 5 avril, il sera à Caen. Le 6 à Rennes. Le 17, le 18, le 19, il est au Dôme de Paris. 3 dates d'affilée, le Dôme de Paris, là où ça fait la castagne. Allez voir. Là où il y a le MMA. Tapliers, un classique. Est-ce que t'espères gagner le Molière du meilleur poulet, du meilleur chicken avec ce spectacle? J'ai pas compris. Du meilleur poulet. Je m'excuse, j'ai vraiment pas compris. Du meilleur poulet, ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, c'est une expression qu'on utilise, le poulet, c'est pour dire c'est bien, quoi. Le poulet, c'est quoi ce poulet? Mais qui dit ça? Pourquoi vous parlez de rat plume? Arrêtez de parler de rat plume. Pourquoi il y a des gens qui disent rat plume? Ça parle de rat plume, c'est un média rap, il n'y a aucun rapport, frère. Les gens, ils parlent de Raplume ? Bah ouais, je sais pas, ça dit Raplume. Qu'est-ce qui se passe sur Raplume ? Raplume, c'est un média rap, j'en sais rien. Peut-être qu'ils connais ce média qui est d'ailleurs très cool, mais pourquoi. Ils ont dû faire un. Hein ? Tribune de tous les records, récolte 2 signatures. C'est quoi cette merde, les gars ? Défiler, c'est quoi cette merde ? 2 signatures ? C'est quoi ça ? Défiler ça, les gars ? C'est quoi ? J'ai jamais signé ça, moi ! Ils ont pas mis des bonnes photos de vous. La tribune des influenceurs qui a retourné le web et l'Assemblée nationale, une nouvelle tribune a vu le jour. Dans un contexte d'écologie et de réchauffement climatique, cette tribune semble viser les économies d'eau, notamment les douches. On vous laisse l'extrait exclusif de la tribune ci-dessous. Nous, créateurs et créatrices de contenu, avons entre 18 et 78 ans, voire davantage. Parfois, nous avons un peu moins à nos débuts. Nous sommes la France avec les cheveux gras. Se laver et changer ses sous-vêtements tous les jours ne doit pas être une obligation. Notre industrie est une richesse, une chance pour la France, pour votre économie. C'est pourquoi nous souhaitons avancer vers un monde où nous ne pouvons nous doucher qu'une seule fois par semaine, porter les mêmes slips, et ça sans avoir à se soucier du regard des autres. Les signataires par ordre alphabétique, Grim Cujo, Maxime. Hein ? Merde ! C'est ça, tout à l'heure là ? Mais putain, mais le truc ! J'ai pas lu, les gars ! Mais moi je croyais que c'était un questionnaire gentil, un truc comme ça. Mais j'ai pas lu le truc, putain, Grim ! Je me lave tous les jours. C'est... Ok, ouais, je le laisse, c'est bon la ref. Waouh, ça m'a... Ouais mec, mais ça fait une heure et demie qu'on est là-dessus. Ouais. Non, mais vous avez bien fait de le tenir longtemps parce que j'avais pas, je me disais c'est quoi ce délire. Il a fallu un temps de... Un temps d'adaptation, ouais. Et fun fact, j'ai failli signer ce truc tout à l'heure. Oh la, la merde. Tu me l'as tendu comme ça. Oh la vache. Et moi j'ai dit, ouais, non, pas chaud. Finalement tu signes pas. Non. Ah, je comprends. T'as senti qu'il fallait pas... Ça apporte rien. Franchement, il y a de l'organisation dans vos blagues. Hein, ah, bien sûr, ah, mais tu crois quoi? Non, mais attends, c'est professionnel. Tu crois on est où? Bon, pardon. Non, c'est méchant. Non. Non, Kev, je m'excuse. Non, mais sérieux, il prend cher. J'ai dit, mais cher, ça se fait pas. Eh, hey, Kev Dams, je m'excuse, pardon. Qu'est-ce que ça fait, toi? Qu'est-ce que ça fait comme spectacle? On passe tout de suite, Kev, on le disait dans Zen, il y a une séquence, c'est le flop cul chaud, les gens l'attendent beaucoup. Hein. Avec plaisir. On pose les mêmes questions à toutes les personnes, c'est une sorte de main event du flop, tu vois, c'est l'UFC, c'est la carte principale. Cyril Gane, John Jones, non, Cyril Gane va encore se distraire. C'est le flop cul chaud, c'est parti, c'est tout de suite. Très sympa, je crois qu'il était vraiment indispensable ce petit générique. Il est sympa, cette petite virgule. Ouais, top. Bah ouais, on a du budget. Ouais. Kev, comment ça va? C'est toi qui me parles là? Ouais, ouais. Parce que c'est lui qui fait cette. C'est sa chronique, ouais. Putain, mais moi j'aime bien le gars qui fait Michael Jackson, la muscu et la merde. Ouais, bah il est pas là, il est plus là, il est viré, c'est bon? Kev, comment ça va? Ça va super et toi, frérot?
Mieux que ta rhum, j'espère. Madonna, elle a rien fait. Elle est là, tranquille. Bah, non, ouais, ça va. Ah, merci. Truc top. T'as l'écran de thé ? Allez, quoi ? À Pagnon ? Quoi coubé ? Non, mais. Non, t'as dit on l'avait briefé. Non, je pensais on t'avait briefé. Kwakubé, je connais. Ouais. J'ai un petit neveu de 6 ans qui fait Kwakubé. Donc ça, c'est très cool. Mais le truc d'avant, c'était quoi ? Crack Tam Tech ? T'as les crampes thé ? T'as les crampes thé ? Ouais. Après, à Pagnon. Et là ? Pose ta question après. Pose ta question après, tu nous as niqué l'émission. Et pourquoi il est monté et tout ? Il nous a niqué l'émission. C'est quoi ton plus gros flop ? Wouah, on part en live 24 heures là, mon gars. Eh, hey, les gars, posez le jour de demain là. Ton plus gros flop, frérot, c'est l'hôpital qui se fout de la chaleur, vraiment quoi. Je pense que c'est un CSC énorme. C'est vrai que je suis très terrible de dire ça, c'est fait il y a 10 secondes. C'est un vrai CSC, parce que tu viens de faire un truc terrible là, tu l'as vu. Ouais, c'est très dur. C'est vrai que j'ai fait ça de trop. Et en plus, il a pas niqué le bureau, il a vraiment fait ça. Ouais, j'ai marché dessus, mais je suis dit. Votre seul et unique décor. Oui. C'est vraiment notre seul bureau, si je pète, c'est foutu. Et t'as failli le niquer. Et après, t'as fait une danse qui était terrible. Ah, c'était gênant. Moi, j'en ai encore mal au ventre, vraiment. Ouais. Donc écoute, non, mon plus gros flop, j'en ai fait plein des flops, j'en suis extrêmement fier. Et je pense que grâce aux flops, on grandit. Voilà, et je pense que grâce aux flops, on apprend. Si tu devais en retenir un seul. Et grâce à ta mère, j'apprends énormément. Non, là tu vois, j'étais en mode. Je l'adore. Mais il adore. Oh. Non, on va ta mère à toi, mais pas la mienne. Mais t'es fou quoi, mec, elle est adorable, on l'adore, on l'embrasse. On t'embrasse fort, Marianne. On t'embrasse sur la bouche, partout. Elle change de nom à chaque fois. Elle s'appelait Solène à l'époque. Wow. Et elle Un truc que tu voudrais changer dans ta carrière. Et la liste. Changer dans ma carrière. Un truc que je voudrais changer. Il y en a plein. Et en même temps, je me dis que peut-être si j'avais pas fait tout ce que j'ai fait, je serais pas là avec vous aujourd'hui. Et ce serait peut-être pas mal. Il a pas tort. C'est dommage. Sans celle, elle est dire. Tu vois, c'est les erreurs de la vie. C'est quoi, toi, tu changerais quoi? Oh, c'est la première fois qu'on lui retourne, on lui contre Kemps. Eh ouais, contre Kemps. Qu'est-ce que je... Mais moi, attends, moi j'y réponds sérieusement. Moi, je pense, si tu fais des erreurs dans la vie, ça te forge pour la suite. Et que, tu sais, quand... Tu changerais quoi ? Ah, je change rien ? Tu changes un truc. Là, maintenant, tu dois changer tout de suite un truc. Bah, quand même, tu changes de chemise déjà, je pense, parce que tu pues la merde. En vrai, je pourrais changer de chemise parce qu'il y a des auréoles et tout. Ouais. Mais sinon... un bon premier point. Ouais. Je sais pas, trouver 1 million d'euros par terre... Mettre du dentifrice, mettre du déodorant, gel douche. Du shampoing. Un truc à changer. Qu'est-ce qu'on pourrait changer ? Je sais pas, la salle, elle est bof, c'est bon, elle est datée, non ? Allez, pose ta dernière question, frère. Est-ce que tu veux bien écrire un spectacle avec moi ? Non. Ah, putain, j'ai écrit. En vrai, tu veux un challenge ? Tu veux un vrai challenge ? C'est quoi le challenge ? Parce que je trouve que c'est facile de flopper derrière ton bureau sur Twitch. Tu veux un vrai challenge ? Moi, je joue au Palais des Sports bientôt, donc c'est devant 3000 personnes. Je t'invite. Tu viens, tu fais la première partie ? Quoi ? Non, mais... Là, frère, c'est facile. T'es là, t'ouvres ta gueule depuis tout à l'heure. Non, mais... Attends, excuse-moi. T'es là, t'ouvres ta gueule depuis tout à l'heure. Ouais, tes spectacles, porte tes couilles. Maintenant, viens sur scène devant 3000, on voit ce que ça donne. C'est quand ? Non, mais c'est un bourbier sans nom. Et ça doit durer combien de temps ? Pourquoi bourbier ? Quel bourbier ? Ça doit durer combien de temps ? Je joue le 17, le 18, le 19, donc t'as 3 jours. On commence pas à me la sortir. Avril ? C'est 3 jours, ouais. Attends, genre deux. Vas-y, derrière, vous pouvez me dire s'il est dispo, vous savez mieux que lui. Ouais, il est dispo. Voilà. Donc 17, tu choisis, c'est un des soirs, tu viens. Tu viens, gars. Et si tu veux, tu sais ce qu'on fait ? T'as même pas besoin d'écrire un sketch, je te donne mes restes. Toutes les blagues que j'ai pas sélectionnées. Wow. Et tu dois aller les défendre. Je suis chaud. En vrai, tu le fais ? Je suis chaud. Dis oui. 17, c'est pas possible, Jason. Ok, bah. 18, 19. Mais je suis chaud. Je suis chaud. C'est alors là, eh les gars, vous mettez au premier rang. Ah mais. Mais non, mais ça me fait trop plaisir. En fait, je trouve ça génial que le flop prenne une autre dimension. Ah là, et là, tu vas aller devant 3000. Mais eux, ils savent pas l'émission Twitch, ils savent rien, ils vont te regarder comme as. Et toi, tu vas être là. Alors. Et tu vas devoir t'excuser, tu vas dire je m'excuse, Kev, parce que c'est dur. C'est dur, combien de temps une première partie ? T'auras 5 minutes.
Ok, ça va. 30 minutes, ça va. Tranquille. Je suis chaud. Oh, waouh, la dinguerie. Wow. Les amis, ce là, sera. Non, moi je dis bravo. Là, tu es dans un vrai bourbier. Surtout bravo. Que c'est le lendemain Z. Ça veut dire que tu vas faire toute l'émission avec la boule au ventre. Parce que le lendemain. Moi, j'ai démarré petit à petit. On a fait 40, puis 100, puis 200. Quand tu arrives devant 3000, c'est bien simple. Il va se chier littéralement dessus. Ça va être un rêve. Ça va être un bonheur. Mais ta salle, elle va être éteinte quand tu vas arriver. Mais c'est ça qui est génial. Non, t'inquiète, je vais mettre un autre gars après lui, parce que sinon c'est mort. Ouais. Non, t'inquiète. Mais quand même, lui, il fera 5 minutes, quoi, tu vois. Waouh. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est fort. Ça va être magnifique. Ça crée un vrai. J'ai hâte de défendre tes restes. Tu vas défendre mes restes. Ouais. Après, si t'as envie d'écrire des blagues à toi, mais j'ai senti que t'es pas très auteur. Putain. Ouais, c'est pour ça. Mauvaise idée. Kev, on va passer à l'interview à thème, c'est tout de suite. C'est dommage qu'on n'ait pas fini là-dessus parce que c'est le highlight de ce. C'était le highlight. On a tous. Bah ouais, parce que. Moi j'ai envie d'y aller maintenant. C'est vrai. Sinon, j'ai envie d'y aller maintenant. On peut attendre un peu, c'est pas tout de suite, c'est 17. On aurait fait une tête de soda, ça aurait été encore mieux, je pense. Non, on a dit ça, soda. Tu arrêtes avec ça. S'il vous plaît, c'est mon rêve. Kev, bon, bah, interview à thème, je sais pas si tu connais Zach Nani. C'est fou parce que je l'ai imaginé avec un micro, du coup, sur scène. Et en fait, lui, il a la physiologie d'un micro. J'avais jamais vu, mais c'est un. C'est vrai. C'est vrai, on dirait un micro, mec. C'est un micro, le gars. Le gars est un micro. On passe à l'interview à thème là. Oui, c'est pas l'interview le... à thème. Oh. Tu connais Zach Nani ou pas du tout? C'est pas un gars qui fait des interviews sur Twitch. Est-ce que tu connais peut-être Diablo X9 en l'occurrence? Je connais pas. Ah si, j'ai entendu parler de Diablo X9. Un gars du gaming, grosse légende un petit peu dans la sphère gaming et tout. Et en fait, Zach Nani a reçu Diablo X9 en interview, etc. Et il a fait un truc que j'ai trouvé très sympa. C'est que vu que Diablo X9 a pas trop les refs des choses de maintenant, il lui a montré des streamers que nous on pense que tout le monde connaît, très connus et tout, et il essayait de leur donner un nom, de savoir s'il les connaissait ou pas. Okay. On s'est aperçu qu'il en connaissait aucun. On va voir si toi tu te débrouilles mieux que lui. Vas-y. On va te faire la même chose. On va te montrer des photos de vous streamers. Je suis très peu actif sur YouTube, sur Twitch. C'est ça qui est intéressant. Sur Twitter, mais il y a pas mal de gars que je surveille et que j'apprécie. Ah bah c'est super. On va voir. Tu vas peut-être en trouver certains. C'est des streamers, des YouTubers. On va nous voir si tu les connais. On va passer à la première photo. Il y en a 5 en tout. Allez, vas-y. Première photo. Bah si, c'est Squeezie, très connu. Ah, c'est Squeezie. Bon, le cadrage est à revoir. Ouais. Le cadrage, il... La régie, si vous pouvez cadrer mieux. Pour le coup, ce gars a été très très cool. Je l'ai croisé dans la rue et je l'ai vraiment... c'était très gênant. Ouais, je l'ai croisé dans la rue. Bon, il prenait son yinche à 2h du matin à côté des Champs-Elysées. Ah ouais. J'étais en scooter et imagine, je suis arrivé en scooter, je lui ai coupé la route en scooter. Ah merde. Donc vraiment, il aurait pu me gazer, très clairement. Et je lui ai dit, gars et tout, j'adore ton concept. Il faut deviner l'imposteur. L'imposteur. Je lui ai dit, écoute, à l'occasion, c'était chaud, moi je suis bouillant. Il m'a dit, grave. Et évidemment, il m'a jamais rappelé. Mais c'est ça qui était génial, c'était cet échange-là sur les Champs-Elysées. Ah, je pense que quand il est rentré dans son bureau, il a dit, il y a cette espèce de malade qui m'a coupé la route. Cette espèce d'enculé, jamais on l'invitera. Mais bel échange. Mais très fort, en tout cas, parce que t'as trouvé la première photo. Bon, essaye de cadrer mieux quand même. Ouais, deuxième photo, on va passer au deuxième. Pour le coup, Squeezie, c'est mainstream, même les bien gens sûr, ils font bien pas sûr. De... Wow. Ah, non mais les gars, on peut pas voir là. Ah, mais on peut pas voir là. C'est quoi cette photo, les gars, que vous avez pris? Il y a pas un autre angle. C'est quoi, c'est Big Flo? Non, c'était c'est Billy, ça, c'est Rebeu des Terres avec son Rasengan. Ah ouais, je le connais, Billy. Ouais, il était dans le match qu'ils ont fait, le match. C'est ça, je l'ai vu. Les gars, t'as vu ou pas? J'étais ramasseur de balles, t'as vu ou pas? J'ai ramassé les ballons. Il était dans le match, lui. Il était dans le match, ouais. Prenez les meilleures photos en régie, s'il vous plaît. Photo 3, s'il vous plaît, on va passer au troisième streamer. On envoie. Waouh. Ouais, non, mais là, c'est. Je sais pas qui c'est, mais c'est pas cool d'avoir mis cette photo-là. C'est sa photo. Sa pépé Insta, donc. Je veux pas que ça soit sa pépé. C'est Yass encore. C'est lui qui s'appelle. En vrai? Ouais, c'est lui. Mais en plus, je vois à peu près à qui il ressemble. Bah, c'est lui, c'est là. Voilà. Mais non, mais là, il vous lui avait descendu les yeux, non? Non, il change de coupe. Non, là. C'est parce qu'il était. Ouais, il change de coupe, mais. Bon, en tout cas, à tous les streamers qui regardent ça, je me désolidarise complètement. C'est vraiment chum de se moquer des non, gens. Non, par contre, c'est cheveux. Pas bien. Non, c'est vrai, c'est pas bien. Et c'est j'espère que la régie. En fait, la régie, il faut pas arrêter les photos bizarres. Et bon. Streamer suivant, non? Ah, on me dit que la prochaine, c'est bon. Ok, la prochaine, la quatrième, on dit que c'est bon. Waouh. Ah, mince. Aïe. Est-ce qu'on connaît cette personne? Est-ce que tu reconnais cette personne? Ouais, je vois qui c'est, mais j'ai compris qu'il y avait un vrai thème calvitie qui est pas quoi ouf. Ouais. Mais n'importe quoi. Tu penses que la régie... Non, ça m'étonnerait qu'ils aient fait ça. Pas sympa. Donc tu connais ce gars-là? Tu sais juste son nom? Tu l'as ou pas? Non. Terracide. Terracide. C'est le patron. C'est Terracide le patron, 72 ans aujourd'hui. Qui t'a acheté un display? Qui t'a acheté un display Pokémon et il n'y avait rien dedans. Mais c'est vrai. Il n'y avait rien dedans. Exact. Ah ouais. Tu l'as bien c'était eu. C'était hein. le display fossile. Fossile. Oui, parce qu'on n'a pas parlé de Pokémon, qui est une autre de mes grandes passions. C'est vrai. Mais voilà. Big Flo aussi, à chaque fois qu'on reçoit des gens ici. J'aime pas le faire en live et tout. Moi, je le fais pour mon kiff à moi. Effectivement, il m'a acheté une display via un intermédiaire. Il m'a dit, dis-lui que j'ai rien eu dans sa display. Je sais, mais en vrai, je suis deg. Moi, j'aurais kiffé qu'il ait plein de trucs pour le coup. Ouais. Dommage. Mais en tout cas, Terracide, tu nous regardes, j'en ai plein d'autres.
tu veux, voilà. Ah. Fort. Ça veut dire quoi? Ah, tu dis ça parce que rapport mais, tout ah, ce qui est les juifs, le commerce. Mais non, mais non, mais je dis, ah, en mode, ah, vous allez pouvoir ouvrir une boîte ensemble dans une vidéo sur la chaîne de Terracide. Comme par hasard, comme par hasard. Comme par hasard, ils lui vendent des trucs, t'as dit. Le commerce. Ça m'énerve. Bon, on va passer à la dernière photo. La régie, s'il vous plaît, une photo bien. Merci. Oh, c'est bon, là. C'est quoi? C'est quoi? Ça voulait me faire passer un message? C'est quoi? C'est quoi? Tout le monde a des cheveux parfaits? Tout le monde a des cheveux soyeux? Hein? Autour de moi, vous voulez me faire passer un message? C'est quoi? C'est terrible, la airline, comme on dit. On met du chien, en tout cas, comme on dirait ton père. Mais c'est moi, mais c'est juste... J'avais compris que c'était toi. C'est l'implantation. Arrêtez avec ces trucs de calvitie. Ah non, c'est même pas drôle. Calvitie, toi aussi, mais y a pas de calvitie. Y a pas de calvitie. Arrêtez avec ça. Mais c'est quoi? C'est mes cheveux. C'est rien. Mais y a rien là. Tu caches un beau truc en dessous. C'est quoi. La petite mèche qui donne cet effet. Mm-hmm. C'est cool qu'on puisse parler un peu des streamers et tout ça parce qu'il y en a plein que je trouve très très marrant. Tu le connaissais lui? Je le connaissais pas. Il t'aime bien ou t'aimes? Ah non, tu veux dire toi avec la moustache? C'est moi. Ouais. Je connaissais toi, mais pas avec la moustache. Ah ouais. Y a qui en streamer que t'aimes bien? Écoute, pour le coup, on en a parlé. Moi, je regardais bien les lives de Big Flo et ça m'a beaucoup fait rire ce que vous avez fait. Après, je suis vraiment les mecs mainstream, j'avoue. Oui. Tu vois, ouais. Genre, j'ai beaucoup maté McFly et Carlito, que je trouve vraiment. Enfin, ils ont fait des vrais YouTube concepts où ils prenaient des vrais risques et tous les mecs, franchement, je trouvais ça très fort. Voilà, Léna Situation, son mec Seb, que je trouve aussi très sympa. Squeezie, il faut reconnaître que les concepts qu'il lance, quand même, le gars, c'est. Ouais, c'est très fort. C'est très je donne fort. Tout le temps, j'envoie les idées en DM, il kiffe. Il est quand même très, très fort rapport voilà, à tous les concepts et tout ça. C'est des vraies émissions de télé qu'ils font, les mecs. Ouais, bien sûr. Ouais. Inox Tag, Michou et tout, je regarde aussi parfois. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a toute une nouvelle génération. Il y a un mec qui s'appelle Amine aussi, non? Amine, ouais. Très fort. Lui, c'est aussi plus sur Twitch. Qui a organisé le match de foot. Et lui, il me fait beaucoup gollerie quand il lit. Tu sais, il y a des best-of de lui qui lit les pseudos des gars. Ouais, ah, et tribunal, les bâtards, ils mettent des pseudos. Les pseudos de merde. Ben, c'était Seb qui l'avait mis d'ailleurs. Exactement. Et donc, voilà, toute cette génération, je regarde ça. Et pour le coup, je kiffe être aussi spectateur. Tu sais, t'as pas tout le temps envie de participer au délire. Mais c'est vrai que je me dis, il faut qu'on arrive un peu à casser cette barrière qu'il y a entre les gens de la télé et de la scène et les gens du stream et de YouTube. Et moi, ça me ferait plaisir, que ce soit moi ou d'autres d'ailleurs, qu'on ait des gars qui vont souvent à la télé, hop, qui aillent sur YouTube et vice-versa. Il y en a de plus en plus. McFly et Calcutto, ils ont vachement ouvert ça, Squeezie aussi. Donc je trouve que on va dans le bon sens. Ouais, je pense aussi. Kev, on n'a pas pu aborder tout en détail dans ta carrière. On a l'émission qui est assez courte. Il ne nous reste plus beaucoup de temps et on a encore pas mal de choses à faire. Et sur Twitter, il y a Arcunir aussi qui m'a envoyé un message. Arcunir, ouais. Pote à nous. On l'adore. Qui est très cool. Et pour le coup, je lui ai répondu et tout, parce que c'est un mec qui je trouve très fort sur Twitter. Ouais, il est fort. Catfop aussi, non? Ouais, elle aussi. Ouais. Très fort. Beaucoup moins sympa le message. Beaucoup moins sympa. Et tu vois, très bon exemple. Moi, j'ai rien contre elle. J'ai trouvé hyper cool quand on s'est rencontrés en live. Vraiment. Et elle était très bon délire et tout. C'était chez Dwagby d'ailleurs. Oui. Je te rappelle. Mais tu vois, je trouve ça dommage parce qu'elle, pour le coup, très sympa en live, très bon délire. Vraiment, en sortant du studio, je me suis dit, putain, elle est vraiment cool cette meuf et tout ça. Mmh. Et vous annoncez ma venue. Et je sais plus quoi, il y a un gars qui dit la dernière fois que le gars était sur Twitch avec une scène de gênance, tu vois. Mmh. Et elle dit, elle a tweeté un truc genre pitié ou un truc comme ça. Et je me suis dit, en fait, c'est dommage. Soit la même personne en vrai sur les réseaux. Sinon, ça veut dire que t'es pas vrai. Sinon, ça veut dire que tu essaies de te donner un genre. Tu comprends ce que je veux dire? Si dans la vraie vie, t'es pas sympa avec moi, comme l'est en ce moment Grimm, je me dis derrière, il me défonce sur Internet. C'est logique, il y a une logique. Ouais, c'est une merde. Il y a une cohérence. Mais si t'es sympa dans la vraie vie et que derrière, t'es une merde sur Internet, je trouve que c'est pas. Non, je pense qu'elle est assez timide. Elle est vraiment gentille. Je pense que t'as un pitié pour la. Écoute, je pensais comme toi, mais je le pense plus. Ah mince, j'ai créé un bif. T'es sérieux là? Moi je t'embrasse 4 soupes. Tu crées des dramas, frère. Non, je crée pas de drama, c'est toi qui en as parlé. Non, il y a pas de drama, moi je suis que pour le love, t'inquiète. On va passer à l'interview image. Ta gueule? Fuck hate, spread love. Ta gueule au pire? Au pire, ta gueule. On va passer tout de suite à l'interview image. Tu vas voir, il y a plusieurs images. Derrière chaque image, il y a une question, puisque évidemment on n'a pas pu tout aborder. Tu vas pouvoir en choisir deux. Et le chat via un sondage va en choisir deux aussi, donc on n'abordera pas tout non plus. Ok. C'est parti, commence. Juste précision peut-être avant. Ça, c'est une question d'un viewer. Voilà. C'est une question là, d'un viewer. Qui regarde le live. C'est ça. Je vais choisir, je sais pas ce que vous voulez. Je vais choisir... On a un problème, on n'a pas la question viewer, pardon. La question viewer. Non, ils n'ont pas pu la mettre en régie, un bug. Ah, mince. Ça arrive, désolé. Ok, c'est pas grave, donc il n'y a pas la question viewer. Ouais. Donc en fait, dommage, moi, je choisis deux. C'était littéralement Grimm qui posait une question, mais c'est dommage. N'importe quoi. Ouais. Et c'était d'ailleurs, je l'ai là, je peux te la dire. Salut Kev, on se fait une câlinade pour l'interrogation. Ça fait 15 ans que tu fais des tournées dans toute la France. Est-ce que tu as déjà joué avec la diarrhée au cul?
Là, c'était la question viewer qu'on n'a pas pu mettre en régie. Que vous avez du coup, finalement. On a l'écrit, mais on n'a pas pu passer le, la vidéo. Ok. Donc on l'a. On l'a, techniquement, on l'a à l'écrit. Pas via le viewer. Quoi. Voilà, on l'a pas à l'écrit. Via le viewer qui était grim. Qui était grim et qui demandait si t'avais la chiasse. C'est pas moi juste, mais il me ressemblait un peu, peut-être. C'était lui. Écoute, moi, non, mais je pense que le 18, tu vas bien l'avoir, toi, la chiasse. C'est vrai, j'avais déjà oublié. Ça va être beau, ça. Malheureusement, tu as répondu à une question, il ne te reste plus qu'une, Kev. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Franchement, je laisse les gens choisir. Franchement, je suis prêt à vous parler tout. Okay. J'allais vous parler. Moi, j'allais naturellement choisir le Fridge, mais on en a déjà parlé. On a parlé du qui est donc un comedy club qu'on a ouvert à Paris et qui est là pour les jeunes talents. Parce que j'en ai parlé comment moi je l'utilisais, mais il y a plein de jeunes talents qui viennent tous les samedis pour tenter leur chance et je trouve ça mortel. Je trouve que c'est important qu'on ait des lieux, pas seulement le Fridge, plein de comedy clubs qui ouvrent à Paris et qu'il y ait des gens, des vrais lieux qui puissent encadrer des jeunes ou moins jeunes d'ailleurs qui ont envie de tester. D'ailleurs, si je te donne un petit conseil, tu devrais aller te faire un ou deux passages au Fridge avant de te taper le Palais des Sports. Ah, après, c'est vrai. Ce que tu veux. Puisque de toute manière, après ce jour, on t'appellera merde au cul à vie. Ah putain, j'avoue. Ah, ça sera... j'ai trop hâte. 3000 alors, personnes. Le chat a choisi en premier. Ah, mais ça, c'est quand même très proche. Si c'est Soda, c'est relou. Non, c'est Aya Nakamura, mais le stand-up est en train de passer devant en fait. C'est le stand-up qui est en train de passer devant. Pour l'instant, c'est toujours Aya Nakamura qui a 5000 voix. Et le stand-up a. Non, mais attends, c'est. Mais le stand-up, c'est quoi? C'est le Fridge? Non, il y a le Fridge et il y a le stand-up. C'est deux. Mais c'est où le stand-up? J'ai pas compris. Ah non, mais attends, il y a un problème de. Ah oui, il y a pas stand-up. Mais attends, mais c'est les modos qui se sont trompés. Ils ont magouillé. Ah bah c'est le Fridge du coup. Bah on vient d'en parler, les gars. Bah, Aya Nakamura du coup. En premier, donc il y a eu cette blague dans ton spectacle. Elle a répondu assez fortement sur Twitter. Toi, comment. C'est quoi l'histoire en fait? Ok. L'histoire est simplissime. Dans mon spectacle, je disais une blague vraiment à deux balles où je disais son nom c'est Aya Nakamura. C'est vraiment pas une blague méchante. Dans le sketch, je dis, j'adore cette meuf. J'ai aussi un sketch sur Stromae. Pour te donner un exemple de comparaison, quand Stromae a vu ce sketch, il m'a écrit un message. Très cool, en mode, mec, la parodie, c'est la vie, trop content, etc. Très sympa. Elle a vraiment mal pris ce délire, apparemment. Elle a fait un tweet, ce qui a été très compliqué pour moi, c'est que moi, j'aurais aimé qu'on s'amuse en tweet. Mais en fait, le tweet a été fait et il a été supprimé dans la lancée. Ah, et du coup, t'as pas pu, ouais. Donc en fait, c'est Internet, donc tout le monde a screen ce tweet. Tu comprends? Mais moi, je ne pouvais plus lui répondre à elle directement. Bravo à elle, d'ailleurs, parce que stratégiquement, elle m'a ken. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper virulent. Et en vrai de vrai, jamais je me serais permis de rentrer dans un truc aussi virulent. Je crois qu'elle avait écrit... pas méchant, encore. Je peux te le redire, je crois, le tweet, c'était un truc genre avec ta coupe de pétasse, tu fais rire que les enfants, un truc vraiment, vraiment violent. En vrai, sur le principe, tu as raison de gueulerie. Moi, le premier, quand je l'ai lu, j'ai gueulerie. Non, mais je comprends que c'est mais trop virulent pour... je me suis dit, il y a quand même plein d'enfants qui suivent cette chanteuse. Qui est ultra brillante, on va pas se mentir, elle fait que des tubes sur tubes. Tu vois, je rentrerai pas dans les bassesses de lui renvoyer des insultes, je trouve que ce qu'elle fait est très très fort. Mais d'insulter un autre gars comme ça publiquement, j'ai trouvé ça assez virulent, assez violent. Et après toute la presse, là j'ai vu des articles de presse de « elle m'a envoyé des messages virulents ». Non, j'ai jamais dit ça. Oui. Tu comprends, les gens ils essaient de grossir le truc. Pour le coup, elle a fait un tweet, elle a reçu, je pense qu'elle a pas aimé ce sketch, ça arrive, ce sera pas la première à pas aimer mes sketchs et ce sera pas la dernière. Let's go, on avance. Et toi Grim, t'es dans la même situation bientôt, en fait je viens de comprendre stand-up. Oui, en fait stand-up c'est pour le gosse. C'est pour le petit qui est passé sur « c'est mon choix », qui t'imite, etc. Et tout. C'est terrible parce que c'est une sensation partagée pour moi. C'est-à-dire que... voilà l'eau du robinet, ce que ça fait. C'est terrible parce que ça me fait tellement plaisir de voir un enfant qui est tellement fan qu'il a envie de reprendre les sketchs. Moi-même, quand j'étais petit, je refaisais les sketchs de Gad et tout. Bien sûr. Et en même temps, c'est toujours pareil. Ça me ramène à cette image de truc que je faisais quand j'avais 18 piges. Et donc, c'est dur puisque, tu vois, c'est toujours un peu une espèce de cercle vicieux. On voulait, les gens ont beaucoup dit quand on a annoncé « Oh, faut faire venir ce gars et tout ». En fait, ce petit gars, il veut juste faire kiffer et tout. Il a reçu beaucoup de haine et tout. On voulait beaucoup pas de haine, beaucoup de moquerie. Et en fait, ce qui est dommage, puisqu'à la base, lui, il veut juste, tu vois, il y a c'est un truc un trop sympathique, kiffe, trop bienveillant. Cool. Donc laissez-le un peu tranquille, les gars. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça. Il y a un côté, tu vois, la bienveillance sur ce mot, mais après, il faut reconnaître qu'il le fait d'une manière très waouh, tu vois. Mais il le fait avec tellement de gentillesse, tellement de mignonnerie. En tout cas, s'il regarde cet extrait, moi, je l'embrasse très fort et je suis très touché qu'il ait refait mes sketchs. Voilà, mon gars. Et vraiment, même si je ne fais plus ses sketchs. Tu pourras l'embrasser parce qu'il est là. Évidemment que non. Bien sûr. Merci les gars dans le chat. Ouais, franchement, je pense que faut prendre un peu de recul des fois et se dire que voilà, bah, c'est des petits, donc vaut mieux. Mais après, il faut dire la vérité aussi, parce qu'on va pas faire non plus que les bonnes sœurs. C'était très marrant. J'ai vu des tweets sur ce mot très drôle. Frontalement, ça doit être dur à vivre. Le dernier truc, vu que du coup t'en as sélectionné qu'une, c'est la question viewer. Le chat a pu en choisir trois. Le troisième, c'était Soda. Est-ce que vous allez reprendre la série parce que c'était un vrai banger? Donc si vous voulez, par exemple, reprendre la série,
faire des petits épisodes, des petits sketchs. Une saison 3. C'est possible ou pas? Non, vrai. Je l'ai déjà dit, on ne refera plus Soda. Arrêtez de me parler de Soda. On a 52 ans tous. Donc si on refait, ça s'appellera Tisane. Mes frères, parce qu'en fait... Moi, je kiffais bien, je voulais... Putain, ce flop-là, mais il est là. Non, ça, je te jure, c'était même là. Pas... Écoute, mec, c'était même pas un flop. Parce que, non, franchement, rigolé. C'est fort, parce que Soda, Tisane, il n'y a rien à voir. Mais si, parce que c'est une boisson, non, c'est fort. Ah non, 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 j'ai mal jugé, non, parce qu'en fait, Tisane, c'est une boisson pour les plus vieux et tout. Ben oui, ouais. le roi du flop, fort, fort, j'ai rigolé. Je jure, c'était drôle, voilà, les gens ont rigolé. Mais je suis fasciné, tu l'as pas capté, quoi. Mais non, mais il faut... on verra le 18 qui a pas capté. On va voir bien, ouais, on va bien voir. On va voir qui a pas capté. Oh oui, on va voir. Ah, oui. Ça, on va voir. Oh, qu'est-ce que j'ai hâte. Les amis, on touche bientôt à la fin de l'émission. Déjà, putain, ça passe très très vite. Non, il y a encore des choses. Ok. Il y a encore des choses. Hey, tête soda, c'est toujours d'avis, mais bon, en attendant, on fait pas. Malheureusement. Jeu Koulos. On va passer au jeu Koulos et tout de suite, on va passer de l'autre côté du rideau. Jingle, c'est tout de suite. Jeu Koulos. On va retrouver Michael Jackson et. Les amis, regardez-moi ça, on vous a concocté un petit jeu. Ouais, il est grand. Il est très grand. Il est très grand. Ouais. Il est hyper grand, le gars. C'est peu importe, t'es très grand. Merci. Kev, tu peux t'installer, s'il te plaît, ici, au milieu. Grim, tu seras en face de moi, frérot. Hop, je t'ai appelé frérot, hein. C'est bizarre quand même. Mais quand on est amis, tu ouais, mais profite. Frérot. Enfin, t'habitues pas, quoi. Hop, je remets la petite tablette. Hop, j'arrive pas. Ah, j'ai compris. T'es en train de tout casser, on dirait. J'ai compris comment ça marchait, en fait, à l'instant. Hop. Ok. Mais pourquoi tu emmènes ça avec cette petite tablette avec toi? Ça, c'est le chat. C'est le chat, okay, c'est le chat que j'amène avec moi. Hop. Tac, hop. Ok. Kev, ce qui se passe maintenant, ça c'est. Il y a toujours 100 000 personnes? Non. Oui, sans doute. C'est descendu? Ça a descendu? Oh, je sais pas. Kev, on va jouer à un jeu de ton spectacle. T'as pas le nombre de gens qui regardent? Non, moi j'affiche pas le nombre. Apparemment, on est 107 000. Oh. Kev, on va jouer. Ton spectacle s'appelle Miroir. Ça très fort, c'est quand même l'équivalent de NT1. T'en as rien à foutre de ce que je te dis en fait. Tu n'en as rien à foutre de ce que je te dis. Excuse-moi, vas-y. Non, mais c'est fou ça, il en a rien à foutre. Je vais expliquer le jeu. Là, t'es dans la merde, mon pote. Regarde ce qu'il y a là. Tu veux pas les manger, ça? Non, je veux pas les manger. Non, tu veux pas les manger. J'ai pas envie de les manger. J'ai pas envie de les manger. Tu veux pas les manger, personne veut les manger. Parce que nous, on les a mangés. Et c'était bien dégueulasse. Et j'ai failli vomir. Pour info, okay. Quand je les ai mangés. On a vraiment mangé beaucoup l'autre fois. Moi, je mange pas. Non, là, il n'y en a pas beaucoup. Mais tu n'auras pas. Non, tu n'auras pas à les manger. Okay. Sauf si tu perds au jeu, mais tu vas pas perdre. Allons-y. Sûr. Kev, c'est très simple. Ton jeu, du coup, s'appelle Miroir. On va jouer à un espèce de mastermind. Okay. Je m'explique. Ici, tu as des situations. Bah, tu sais quoi, on va tout simplement faire un exemple dans la vraie vie. Tu peux ouvrir cette sacoche. Bien sûr. Cette petite sacoche. Cette petite sacoche, hop, et toi aussi Grim, celle avec écrit Kev. Et dedans, j'ouvre celle avec écrit Kev. Oui, et tu as quatre situations dedans. Okay, est-ce que bon. Tu peux nous c'est les pas lire Elena. Ta gueule. Ah, si. Okay. Est-ce que tu peux nous les lire, mon pote? Tu peux les lire, on a tous les mêmes. Ok, j'ai gagné un César, refaire une nouvelle saison de Soda. Oh, ça serait bien ça. Être validé par Offset et faire un spectacle commun avec Grim. Bon, alors, ça, le but du jeu, là tu vas rien manger cette fois-ci puisque c'est toi. Qui va être le maître du jeu, on va mettre ça sur le côté, il faut les reprendre après. Tu vas classer ces situations de 1 à 4, ce que tu voudrais faire le plus, ce que tu voudrais avoir le plus, à ce que tu voudrais avoir le moins, de manière retournée. Bien sûr. Non, on le voit pas. Parce que nous, on va devoir deviner ce que tu as trouvé. Si on a juste, ouais. Ça va. Et c'est bien. Si on a faux, bonne chance. Du coup, il classe à ce qu'il veut le moins, à ce qu'il veut le plus. Ouais, c'est ça. Okay. Hop. C'est bon. Alors moi, je pense que c'est ça. Ah ok, vous devez deviner c'est quoi mon ordre. On doit deviner c'est quoi ton ordre. Si et vous devinez qu'est-ce qui se passe et si on devine, tout va bien, sauf pour toi. Ok. Puisqu'on lancera la roue. Si on devine pas, on lance la roue. Putain, c'est aussi simple. Le budget de pire en pire quoi. Le budget est catastrophique. Je vais pas te mentir. Et encore là, franchement, je trouve qu'on nous a. On s'en sort pas mal aujourd'hui. Là, c'est des tables qu'on a. C'est des chaises qu'on a volées au restaurant d'un côté. Je m'en fous. Ouais, vraiment. Tout le monde s'en fout. Ok, c'est parti. Première situation. Tu as choisi quoi en premier? Moi j'ai mis gagner un César. Premier c'est ce qu'il veut le plus, ce qu'il veut le plus. Gagner un César. C'est ce que j'ai mis, bravo, c'est gagner un César. Gagner un César. Ok, pour l'instant on est bien. Le deuxième truc, ouais. Grim, t'as mis quoi? Spectacle commun, mais en mode j'ai compté comme ça la première partie genre. Moi j'ai mis validé par Offset. Et la réponse c'est faire un spectacle commun avec Grim. Ah non, même pas en. En 3, j'ai mis spectacle commun avec Grim, du coup c'est pas ça. Et non, malheureusement. Et en 3, moi j'ai mis être validé par Offset. C'était ça. Ah non. Et en 4, bah, c'est gagné, du coup. Soda, bah ouais, toujours pas. Refaire une nouvelle saison de Soda en dernier, ouais. Alors quoi? Y'a que moi qui ai perdu. Donc lui il a gagné, donc toi t'as perdu. Y'a que moi qui ai perdu. C'est toi qui fais. Alors je vous explique, là je lance la roue. Ok. Soit j'ai une chance sur deux pour que ce soit un jus. T'as bien, ouais, je sais pas comment t'as. Bravo. Ouais, par contre, comment ça spectacle commun? Mais en fait, c'est devant validé par Offset. Parce que je m'en branle d'être validé par Offset, alors que lui il est trop sympa.
Ça me rend fou. En fait, Kev et moi, il y a une connexion. Non, ça me rend fou. Je vous jure, ça me rend fou. Ça me rend fou. Ok, alors, j'ai une chance sur deux d'avoir un jus, une chance sur deux d'avoir un piment. Sachant que je vois qu'il n'y a pas de lait et tout, donc vraiment, on est à... si on mange un piment, on est. Okay. Fonce, on est avec toi. Ça va être énorme. Oh là là, qu'est-ce qu'il a chaté monstre. La chance. Il a chaté monstre. T'as pas honte. Ah, par contre, bois tout le jus. Mais, non, mais j'avais peur qu'il y ait un truc. Non, c'est juste du jus. C'est un jus. Voilà. C'est non, c'est vraiment un jus. C'est un jus. C'est vraiment un chance. Jus. Chance. Pour le style. Ok, donc là c'est bon, j'ai capté le jeu. Toi, c'est bon. Maintenant, c'est toi qui va pouvoir. Non, c'est moi qui joue. On passe à Maxime ou Grim, tu choisis. De toute façon, on va tous les faire. Hein. C'est juste. Non, mais ça c'est Kev. Alors, toi, c'est Kev. Okay. Il te faut Maxime ou Grim. Grim. Grim, c'est parti. C'est à moi. Grim, tu peux nous lire tes quatre situations. On va essayer de classer ce que tu voudrais le plus selon toi. Conduire une troupe mobile. Jouer dans un film de Frank Gastambide, ressusciter Pop Smoke, payer ses impôts en France. Ok. On est en live ? Ouais. Non, t'inquiète, réponds sincèrement. Ok. Mmh. Ah, c'est pas facile, hein ? Moi, j'ai fait mon ordre, mais je le connais à hein, donc c'est possible que je perde. Si on perd les deux, il se passe quoi ? On est dans la merde. On va boire, manger. Putain, les piments, les gars, c'est dur. Hein, ce que non, vous... c'est très dur. Je suis d'accord. C'est un peu de bâtard. Parce que le problème, c'est que ça stopperait l'émission. Ouais, ça fait. Moi, je suis vraiment genre en allergie en plus. Faut en manger pas beaucoup alors. Ok. Il faut un croc, faut au moins un croc. Ça, c'est un chouïa d'allergie comme ça. Ok, Grim, tu commences par le premier ou numéro 1 ? Numéro 1 ? Ah non, non, dans l'ordre, je vais faire. Ah non, numéro 1. Ok. Ouais. Je dis ou vous dites ? Tu dis. Moi, tu dis ? Réciter Pop Smoke. Non. J'ai mis conduire une croûte mobile en premier, je pensais que c'était ça que tu voulais. Non mais quand même, il y a Pop Smoke frère, t'es Pop sérieux Smoke. Ou quoi? Mais oui je sais, mais il adore la croûte mobile. Mais Pop Smoke. We are dance, we are woo. Putain non. Du coup numéro 2. In the game with the woo. Vas-y deux. Ride, conduire une croûte mobile. Écoute, putain, j'ai inversé les deux. Non, mais attends. Ça c'est fort. Gars, il y a une connexion mec, c'est tout. 3. Jouer dans un film de Frank Gastambide. Et payer ses impôts en France, c'est en dernier. Ça, on le savait. Non, mais gars, t'as vu la connexion ? Non, par contre, c'est abusé. Entre gens pas marrants, c'est fou. Non, vous êtes drôle, vous êtes drôle. Enfin, ouais. Non, il essaye. Non, mais attends, il y a que moi qui perds. Oui, vous avez trouvé que tu es nul. Les combos, c'est fou. Franchement, je pensais pas que j'aurais tout bon. Voilà. Moi, je savais. Moi, j'ai surpris. Sérieux, je vis très mal les piments, en fait. C'est ça le truc. Allez, piment. Piment. Ouais ! Piment. Je vis très mal les piments. Faut pas que piment. Ouh, beaucoup. Ah, il y a des graines. Il a bien joué, bien joué. Oh. Non, tu l'as fait. T'as, franchement, t'as porté tes couilles. Ah non, les gars, il est très fort là. Il y a quoi en régie ? Franchement, bien, wesh. Là, t'as été. Mais l'eau, ça marche pas, les gars. Du lait, il faut du lait. Non, t'as été bon. Hein. Y a pas parce que j'imagine évidemment. Non, mais il a pas le choix en même temps. Ouais, je le sens ici. Ouais. Là, ça devient vraiment. C'est une infection à avoir. Ouais, c'est chaud de ouf. T'as pas le droit, c'est pas pour toi. Vas-y, c'est bon. Je suis là. Je peux pas. Ah, t'as été très bon. Là, t'as été très ça fort. Me brûle la gorge, wow. Je souffle. Là, tu passes par beaucoup d'états en même temps. Bien wesh. Tiens le coup, ça va le faire. Énorme, ça va le faire. Ça va le faire. T'as été fort. C'est dans ta tête. Bravo, tout ça, c'est dans la tête. C'est dans ton nez. Ouais. Allez, sniff. Ah, là, tu vois, les c'est gars, ouais, c'est bon. Il me démonte. Non, t'inquiète, ça non, va. En vrai, ça va. Sur un fort, là. Tout est dans la tête. En vrai, c'est allez. Bon. Ah. Ok, on passe à moi. Vas-y, allez. Go. Ouais, mais je. Piment, c'est chaud. Hein. Ah, ouais, c'est. Ça me fait piquer tellement il pique. Ah ! Ah putain, mais. Putain, c'est dur. Ah là. Ils sont durs, les siens. Mes cartes. Faire un live sur la chaîne de Rémi. Rémi Tennis, notre pote. Tu l'adores. Peut-être que tu le connais. Tu l'adores. Avoir le. Aller voir le nouveau spectacle de Kev Adams. Ouais. Aller au concert d'Orelsa dans VIP. Aller à la Fashion Week au défilé Dior. Ok. C'est hyper dur, putain. Faut capter quand même. Bon, Max, s'il te plaît, on est en live. Franchement. Je prends un jus. Là, le bruit, s'il te plaît, gros, on est en live, quoi. C'est chiant, là. Mec, ça brûle les côtés c'est de la bouche. C'est terrible. Vous avez pas du lait, le pauvre ? Ils ont dit qu'ils avaient rien, ils ont que de l'eau, c'est pire, l'eau. Bah, c'est ce que je t'ai dit, du robinet en plus. C'est vraiment une émission sans. Non, mais c'est pas. C'est ok. Alors, en premier, vous avez mis quoi ? Fashion Week au défilé Dior. Ah, c'était ça. Oui. Ah, t'as mis quoi ? J'ai mis Orelsan. Ah, ça aurait pu. Force à toi. Putain. Force à toi. Et en vrai, premier degré. J'espère vraiment que t'as du jus. Ouais, je vois que c'est un enfant. Harry, il a tapé un beau croc. Deux. Ouais, je ferai pas ce croc-là. Orelsan VIP. Nouveau spectacle de Kev. Oh, c'est mignon. Putain, ce que j'ai mis. Je me suis dit, comme c'est l'émission et tout, mignon. Non, je veux pas de gâteau, les gars, j'ai le ventre retourné. Waouh.
Waouh. Les gars, c'est pas moi, quand je rote, c'est hardcore, mais lui là. Non mais gros, là je te jure, je suis pas bien. Mais gars, t'as un peu vomi et tout, c'est dur. Il y a du verre sur la cravate, c'est dégueulasse, pas ouf, frère. Numéro 3. Live sur la chaîne de Rémi. Ouais, ce que j'ai mis, je crois. Et en dernier, j'ai mis Orelsan en VP. Ah bah, j'ai mis au spectacle, oh merci, merci Jules. Dior. Ouais, toi, t'es resté un enculé jusqu'au bout, toi. Non, mais c'est... Ah, ce que je sais, il écoute pas les spectacles et tout. Eh oui, ouais, oui, pourtant, non, il l'a mis en deux. Parce que Orelsan, je suis pas... Le dernier album, j'aime pas. Ah bon, bon, il est mortel, son dernier album. Je sais, plein de gens aiment moi pas trop. J'ai moins aimé, mais il y a des bons sons quand même. Bref. On en avait parlé. Quand on était chez GQ, en gros, GQ France, on a jugé rap français. Je m'en fous complètement. On a grave du buzz. Là, sur la chaîne de Rémi en 3. Mais les amis, je crois qu'il y a deux quoi tourner. Allez, go. Tu commences ou je commence? Allez, commence. Vas-y, rien du tout. C'est rien du tout. Ah ouais? Ouais, t'inquiète. Ouh non. Mais quelle enculerie. Alors, attends, j'ai un truc à mais dire. Mais c'est une enculerie. Une enculerie. Mais j'ai un truc à dire. T'as une chance sur deux, parce qu'on les a testés, ces piments. Hein. Je peux te dire qu'il y a plein d'émissions, on les a mangés. Il y en a qui piquent. Il y en a qui piquent pas du tout. En vrai? Vraiment. Non, en vrai, il y en a, ils sont gentils. Sens... Là, c'est des piments, ils sont gentils. Bah, tu sais quoi? En fait, quand tu croques, il y a un peu de jus, t'es mort. Ah là là, quel... Mais ça, c'est une enculerie. Hein. Si on peut faire un gros plan là-dessus, parce que c'est une enculerie. Le jus, ça marche un peu. Sinon, les petits beurres qui marchent un peu. Il va leur faire un chaud. C'est terrible. Vas-y, hein, nique sa mère. De toute façon, on y est. Hein. Ah là là, putain de merde. Ma soirée, elle est niquée. Hop, c'est à moi. Encore. Waouh. Ça, c'est un beau croc. Ça va, c'est un bon croc. Oh, la technique. Oh. Wow. En vrai, ça va. Ça va. Il a aspiré le piment. Te touche pas les yeux. Ça pique sa mère. Ok, ah. C'est bon, j'ai compris, ça pique très très fort. Tu veux un petit ouais, pour le dîner. Prends-le. Rim, tu veux que je tourne pour toi? Non. Oh, dommage. Ok. Wow. Il est bien ce jeu, j'aime bien ce jeu. Mec, ça n'avait pas fini. Mes yeux étaient rouges. Il aime beaucoup les caméras. Il avait pas les petits beurres. Quand il y a une caméra, je suis un peu d'accord avec vous deux, tu vois. Ouais. Il en fait des caisses pour les j'avais caméras. J'avais pas les petits beurres pour calmer, mais j'avais rien. Quand même, c'était... Et je te jure qu'il y en a qui piquent beaucoup et d'autres non. Une fois, pendant une émission, on en a mangé 10. Et pendant, il y en avait plein où il y en avait rien. Et puis t'en mangé un, il t'a enculé. Ah, ça régale. Pardon pour le. Les gars, c'est quoi, je me prends un petit beurre lui, moi, parce que. Oh putain, faut que le jus y passe. Allez, mon gars. Attends. Tu dors. Ok, tu vas te réveiller et je vais remplacer les petits lus par le piment, ok? 3, tu es réveillé. Eh, tu veux un petit lus? Tu veux un petit lus, Grim? Bah ouais, vas-y, en vrai. En vrai, tu veux? Il est bon? Il est liquide un peu, le petit lus, c'est chaud. Ah, il est liquide? Il a eu un liquide. Regarde les liquides. Il disait que je foutais sa gueule. Il disait que je vivais pour les caméras. Il a eu un liquide, regarde, il pleure déjà. Moi aussi, il y avait du jus. Ah bah, quand il y a le jus, normalement, ça te... Touche pas les yeux, mon pote, hein. Mais toi, t'as vraiment le pouvoir de Mesmer ou pas du tout? Ouais. Pas vraiment. Il a joué le jeu, il est bon camarade. Il est bon camarade. Il est franchement bon camarade. Il est un peu trop bon camarade parce que regarde, il pleure. Il est pas bien. Regarde la cam, vite fait. Bah moi écoute, je trouve que c'est cool parce qu'au moins les gens ils voient la différence, tu vois. Parce que j'en ai pas fait des caisses, tu vois. Non, mais mec. Parce que voilà, je crois que cette émission peut se rénommer Un homme et deux petites salopes. Waouh! Waouh, mec! C'est fou de faire ça! C'est pas non, cool! Il y en a vraiment, je te jure, il y en a vraiment qui piquent de fou! C'est pas cool! Je remets ça là. Les amis, est-ce qu'on est prêt en régie pour la dernière séquence? On va passer à une super séquence. Allez, go. Okay. Ça, c'est pour te faire plaisir. Je veux voir en régie s'ils sont prêts, mais mon rêve marche plus. On m'a dit que souvent, c'est un truc de fou. J'ai vu celui avec McFly Carlito. Vous avez marié sa rhum avec Grimm et tout. Ouais, c'est un truc de ouf, hein. Avec Mathieu. Ouais, mais... Donc j'espère que moi, je vais me marier avec la mère de Grimm. Oh. Ça serait bien. Ça serait mortel. Non, mais est-ce que t'as des no-go sur certains trucs ou est-ce que c'est OK de tout, il y a tout qui te va? Je vous ai dit, tout ce qui est ado, soda, Aladdin, on a dit on fait pas. Après, ce que vous voulez. Les amis, ça c'est une grande première, on va devoir se changer. Donc on a tourné un petit truc juste avant l'émission, c'est assez méta. Pendant 3 petites minutes, vous allez être accompagnés par les nous du passé. Et ça c'est fou. Et, ouais. Et pendant ce temps, nous, on prépare tout de suite nos vêtements, tout simplement. À tout à l'heure. À tout de suite.
Salut, salut les gars. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette émission? Quel est le fuck? Mais c'est nous du passé, c'est mon délai à l'envers ou c'est toi t'es à l'envers? Ah, t'as tout compris mon grimounet. Et oui, alors l'émission vous plaît jusqu'à maintenant? Comment ça se passe l'émission? Non, mais ça se trouve là, il y a une heure qui s'est passée, ça se trouve c'est trop gaze. Si ça se trouve ça fait une heure que ça flop, si ça se trouve on est peut-être plus en live, on s'est fait ban. Peut-être il y a 30 viewers. 18h29, je sais pas si on peut voir, 18h29, ça c'est un bien. Petit peu plus tôt. Un petit peu plus tôt, regardez Grim, il est encore sur Zoom. Je suis en cours là, ça parle de quoi? Ça parle de PowerPoint, non? Ouais, je crois. Hein. Grim est encore en cours sur Zoom à l'heure actuelle. Cours, là. Alors pourquoi on est là, les amis? Pourquoi on est là? Eh bien parce que on a préparé une petite surprise à Kavadam. Voilà. Il n'est pas encore au courant, mais les amis, on va... Est-ce qu'on le dit? Je peux le dire, Tim, ou pas? Tu peux, c'est déjà passé, là. Mais non, c'est pas encore, ça s'apprête à le faire. Ah non, mais ouais, il ne faut pas le dire. Voilà. Non, on a prévu un truc très stylé. On a prévu un truc très stylé pour Kavadam. Je peux dire la chose ou pas? Non, okay, je pense qu'il ne faut pas dire ce que ça arrive après. Ok, en gros, si vous voulez, les gars, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on lui a prévu une surprise. Et je pense que ça va lui faire vraiment, vraiment beaucoup plaisir. J'ai essayé. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Pendant l'interview, j'ai essayé de le sonder sur un truc, voir si ça lui plairait ou pas. Donc, j'espère que oui. Finger crossed. Parce qu'on a beaucoup travaillé sur ça. Et voilà, en fait, en gros, c'était pour vous mettre dans la confidence. Parce qu'en fait, en gros, il est en train de se changer. Il est en train de se changer et on a besoin d'un peu de temps pour qu'il se change. Ça, on remplit. Donc, tu vas bien? Viens, on fait un. De remplissage. Juste, je me demandais pour le slip, je vais y aller. Tu la veux comment, la faut, trace faut de merde? Faut qu'il soit plein de merde. Ok, faut qu'il, ouais, soit, faut plein. Qu'il soit plein. Mais de tu merde. Veux trace, tu sais, un peu effiloché, un oui, peu. Oui, c'est vraiment une trace de pneu. C'est vraiment, okay. On est. Mais un comme truc ça. Lisse ou un truc un peu rustique, un peu rugueux. Un peu rugueux, malléable, c'est vraiment un peu rugueux. Le chat peut le toucher à travers l'écran, quoi. Ok, c'est, bah, c'est quoi? Je le fais. Après, je vous montre au pire. On est comment sur l'école de Michael Jacksonage? Parce que ça va être assez important. Je te cache pas. Toi, MJ, c'est comment là? Moi, je me sens bien. Je sens que j'ai des petits moves, des. Tu vois, des trucs un peu. Tente pas de trucs. Essaye pas de faire des choses, ok? Essaye pas de danser bien, essaye pas de faire du moonwalk. Vraiment, tu restes classique. Reste vraiment classique. Subtil, quoi. Tranquille. Pas... Okay. On fait pas trop. Prouver. En gros, c'est pas le prouver. C'est ça, l'émission, elle est tranquille et tout. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, nous, on. Il n'y a pas de moonwalk? Non, pas de moonwalk, s'il te plaît. Non, il peut en... C'est Michael. Il peut en faire un petit moonwalk. Il va niquer. Okay. Non, il va tout niquer. Bon, vous savez quoi, les gars, je vais y aller, du coup. Vas-y, ça marche. Vas-y, bouge gros. Aïe, non, pas de... Ah ouais, non. Ah là là, c'est dur, hein. Ah, ce qui est bien, en fait, c'est que vous, là, vous savez ce qui s'est passé. Peut-être qu'il a fait un super moonwalk. Attends. Et toi, dans le chat, toi t'es un fils de pute. Mais comme ça, sérieux, tu dis ça. En fait, regarde, là, je pré-shot. Il y aura forcément. À ma daronne ? Non, dans le chat, il y aura forcément un mec qui va dire un truc pas cool, une insulte. Bah, lui, tu vois, j'ai pré-shot, je l'ai insulté, ouais, il sera ban, tu vois. Et, n'empêche, ça vous dit un peu de l'organisation de l'émission. Regardez, on est à quoi ? On est à moins d'une heure ? On est à un peu plus d'une heure ? Je suis encore en cours, sinon je me fais virer. Il y a des cours, là, il y a une boîte. Il y a une bouteille, il y a des bactéries dedans. La petite plume pour la lettre des lions, j'espère qu'il aura reçu ça aussi. Les amis, j'en profite aussi. Vous savez quoi ? J'en profite juste avant de reprendre l'antenne. On s'est changé. Pour remercier Décathlon. Voilà. Décathlon qui est sponsor de cette émission, et c'est vrai que c'est grâce à eux aussi qu'on peut faire des trucs toujours plus fous, notamment avoir Kev Adams qui nous a coûté 20k, hein. c'est cher. 20 000 Et moi je coûte combien? Donc merci pour eux. Donc pour 10€ par mois, il y a une offre en ce moment, je l'ai sous les yeux. Pour 10€ par mois, tu as le droit à un banc de muscu, un kit d'haltères et des programmes d'entraînement pour tous les niveaux. Donc voilà, c'est sans engagement. Donc tu peux l'avoir, en gros, c'est un petit forfait. Ils te prêtent le matos, quand t'en veux plus, quand tu t'en sers plus, ça encombre pas ton appart. Tu le rends, le retrait se fait dans n'importe quel magasin Décathlon, ou alors en livraison à domicile, ça c'est un service payant. Voilà, tu as 12 semaines de coaching en ligne avec la méthode, donc c'est super, merci à eux. Tous ceux qui disent que j'ai toujours le même pull dans le chat, vous me les non, mais là, ce que tu viens de faire, c'est idiot. C'est une erreur. C'est une erreur non, de jeunesse. Ils sont déjà en train de le dire. Mais non, merci, là, regarde. Ils sont déjà en train regarde, de le dire dans le chat, ils étaient déjà en train de le dire. Je joue avec Terra. Dans le chat, il y a un mec qui dit il est vieux. Il dit faut arrêter les blagues sur le fait que je sois vieux. Le chat, c'était que ça. Bah là, oui. Là oui, regarde. Vrai, là, vrai. Tu vois très très bien. Hop, regarde, tu vois, bah, t'as tendu la perche. Pull Acne Studio, 450€, il le met tous les jours. En cut, c'est bon, je pense qu'on a réussi à changer. Cutez juste avant la phrase de Grim en régie. Vous cutez juste avant le prix salut, du pull. Attends, je dédicace. Salut la 37 box. Je dédicace des potes. Cutez. Salut les gars! Adam, t'as ton texte? Lis le texte, mec. J'ai compris. Vous êtes scène 1, scène 1 de Soda. On y va, les gars? Allez. Hey, les mecs! C'est cool que vous soyez venus, ça va être trop stylé les révisions. Cette année, le bac, c'est pour nous. Boum!
Yes, mon gars, enfin, c'est surtout pour toi que ça commence à devenir urgent. Là, vu que t'es vieux. C'est vrai, ça fait combien de temps que tu le rates? 150 milliards de fois? Ouais, je sais. Mais vous avez rien compris. Le truc, c'est pas le nombre de ratés, c'est de l'avoir bien. Je peux l'avoir quand je veux. Pour moi, la note suprême, c'est zéro. Ça veut dire j'ai tout compris. Mais je vais faire exprès de répondre tout faux pour te prouver que j'ai pas besoin de ça pour réussir. On s'y met? Faut pas que je... Mais de lancer le générique, c'est pathétique. Mec, je suis en train de tourner Soda. Vas-y, les régisseurs. On reprend la scène. Ça précise quand même que juste avant, vous m'avez proposé cette idée, je vous avais dit non. Je trouve ça fou de faire Soda, mais allons-y. On y va. Faut pas que je rentre trop tard. Il y a Thierry Beccaro et Jean Benguigui sur Popcorn. Je veux pas rater ce banger. Faut pas louper ça, mon gars. Le banger. Attends, c'est bon, tranquille, vous venez d'arriver. Eh les gars, vous voulez faire quoi, vous, quand vous serez grand? Alors nous, on peut se poser la question, mais toi, t'es déjà un peu grand. Moi, je suis grand, ouais. C'est vrai. Non, mais je veux dire, genre adulte, quoi. Genre, moi, j'aimerais bien faire du tennis comme... je sais plus c'est quoi son nom. Federer? Non, un autre. Djokovic? Mais non, celui qui fait que des masterclass en stream. Ah, Rémi Tennis! Ah, mais oui! Oui, voilà. Refais. Oui. Refais, ils ont oublié. Ok. Oui, voilà, Rémi Tennis. Moi, je sais pas trop. Je pense faire comme le gars qui fait des vidéos marrantes sur Internet. Ah oui, Joyka? Non, le gars qui fait des podcasts. Ah, Cyprien? Non, celui qui dit « Faux !» Mais c'est quoi ce texte? C'est sérieux ou quoi? Sinon, je voudrais bien être comme Inox Tag. Comme ça, je pourrais grimper l'Everest. C'est tout, moi j'ai fait mon texte. Ah non, ah là on est bien, ah là on est bien. Ah là on est bien, faut dire. Ah là on est bien. Mais mec, c'est chaud de monter l'Everest quand même. Non, c'est froid. Encore à toi. Ah c'est moi. Ouais, c'est. De toute façon, l'Everest, ce sera pas trop dur vu que je passe le bac option montagne cette année. Ça n'a jamais existé cette option. Pardon? L'avantage, c'est que je suis sûr de l'avoir tellement c'est simple avec cette option. Alors là, je me permets de t'interrompre parce que pour le coup, c'est pas du tout à sous-estimer. C'est un bac super dur que j'ai, à titre personnel, passé. Et c'est beaucoup plus dur que certaines options parce que ça demande énormément de compétences. Il y a écrit Kev, check Grim. Ah ouais, merde, pardon. Non, mais là, on sort du truc, les gars. Valez pas l'option montagne, vraiment. C'est super dur à faire, c'est pas simple. Et c'est ça, il y en a, ils prennent une option physique ou une troisième langue, mais lui, l'option montagne, c'est plus dur. Et ouais. Et moi, c'est ça. Toi, t'as pris l'option flop. Et ce ratio, il a pris quelle option? Ah, bien joué, tu m'as eu. Tu l'avais pas prise l'année dernière, toi, l'option flop, Kev? Ça fait 10 ans que je la prends, mais là, ça m'a saoulé. J'ai eu envie de changer. Bon, vous avez pas faim, la team? Ouais, un peu. On se commande un kebab? Allez. Attends, comment ça, Kev donne 50 balles à Maxime? C'est quoi le rapport? C'est comme ça. Non, mais c'est le sketch. T'inquiète, donne. J'ai pas 50 balles. Si, mais si, tu dois avoir. En vrai, je te jure que j'ai pas. Ah, t'as pas? J'ai pile 50. Oh bah écoute. Donne. Allez. Magnifique. Non, c'est le sketch, il faut donner. C'est pour le sketch. Tac. Ah, c'est à toi, Maxime. Ouais, ça c'est bon. Ok. Ah, celle-là elle est bien, celle-là elle est bien. Vas-y. Celle-là elle est bien. Bon, du coup, on va manger un truc. Eh, venez, mon père il a acheté des donuts sucrés. Miam. Non. Attends. Donuts sucrés au. Attends. Faut que tu dises en entier. Ouais. Des donuts sucrés au sucre, c'est ça? Ouais. Bon, du coup, on va manger un truc ou quoi? Venez, mon père, il a acheté des donuts sucrés au sucre. Miam. Kev se lève du canapé, appelle son père avec la main. En gros, faut que tu le fasses. Non, les gars, pas paps, je fais pas paps. S'il te plaît, dis-le. Non, on avait dit paps. Dis-le. Allez, dis paps, s'il te plaît. Il va le faire. Paps. J'ai envie de mourir. Paps, tu peux nous ramener à manger, s'il te plaît? Oh, wow. Paps! Ah non, mais ça suffit, écoute-moi, hein, d'accord. Okay, la vie de ma mère. Mets-toi là, mon gars. C'est incroyable. Bah, ça suffit au bout d'un moment, hein, mais d'accord. Le meilleur comédien de cette émission, c'est le gars qui avait fait Michael Jackson? Non, c'est pas. Là, c'est Guido Cluse. Mais enfin, bref, c'est juste. Stop avec les paps, d'accord, hein. Au bout d'un moment, c'est lourd. Enfin, on a juste envie que tu prennes ton envol, en fait. Tu pars de la maison et que ça y est, quoi. T'es une flamme qui revient en toi, parce que là, c'est éteint. Arrête avec les paps et les mams, quoi. Mais paps, c'est quoi ce poulet que tu me cooks, là? T'es un ops ou quoi? Non, c'est, par contre, c'est mal employé comme expression. Ouais.
Ah merde, c'est bon, pas c'est quoi possible. Non, mais c'est quoi, j'en ai ras le cul, je commence à en avoir ras le cul. Oh. Donc arrête avec les babs, casse-toi de la maison. Au bout d'un moment, tu te casses de la maison, tu nous casses les couilles. Tiens, espèce de petit enculé, va. C'est bon, non, mais tu m'attends, vous casser de la maison. Ouais, c'est bon, c'est ça bon. Va, ça va. Wow. Calme-toi, c'est un Paps, ça te ferait du bien peut-être d'aller voir Mams, parce que t'es pas en forme de ouf. Eh, Paps, je casse parce qu'on nous casse Mams, là. Wow. Ah, c'est à toi, Kev. C'est moi. Ouais, c'est où? Tu dis quoi? Tu dis. Non, c'est après. Là. Wow, ok. Wow. Putain, même les wow sont écrits, quoi. Oui, les wow sont écrits. Ok. C'est un sketch. Bon, les gars, venez, on bouge. C'est ciao. Je connais un endroit où on sera tranquille pour plier un classique. Est-ce que c'est bon pour vous? Oh là là. Vous êtes prêts, les amis? On va passer à scène 2, on va reprendre. Scène 2. Hop. Wow. Ok. Ça l'arrache. Ouais, bon. Ça marche. Ça marche, il marche. Ok, il marche. Waouh. Putain, c'est bien foutu ce que vous avez fait, hein, bande d'enculés. Non, mais on est dans le parc là, on est dans le parc pour les cours. Ouais, c'est le bien gaulé, hein. Franchement, le banc, on n'avait pas autant de budget, nous, pour cela. On y va, on reprend la scène, vous êtes prêts? Allez. Ça tourne au son? Allez, go. On y va. Attends, je me mets dans le truc. Non, mais les gars, non seulement je vous avais dit que c'était. Ouais, c'est ça. Putain, ok. Non mais c'est rien. Le plus important dans la vie, c'est de s'adapter. En plus, j'ai une solution, vous inquiétez pas. Attends, c'était à moi. C'était Show the Night, ton daron t'a exclu de la maison. C'est Show the Night, tu vas faire quoi, mon gars? J'avoue, ton daron, il t'abanne. C'est un modo ou quoi? Un modérateur Twitch, par exemple. Non, t'inquiète, c'est rien. Le plus important dans la vie, c'est de s'adapter. En plus, j'ai une solution, vous inquiétez pas. Hey, Max, je peux dormir chez toi? Non. Bon, bah, j'ai plus de solution. Pourquoi tu me demandes pas moi, y a un problème ou quoi? Feur. T'as voulu détrôner le duc. Sinon, vous avez vu... Non, c'est moi. C'est quoi? Eh, sinon, vous avez vu... j'avais oublié mon accessoire de jeu. Eh, vous avez vu la nouvelle prof, Madame Pavoschko? Va pas là-dessus, Max. Bah, faut jouer, hein. Comment ça, mon ref? Bah, regarde ces cours, ils sont super longs, il faut gratter de fou. Ouais, quoi, il y en a des mots. Blablabla. Il y en a des mots. Il y en a des mots. De toute façon, depuis que j'ai vu le film Les Profs 1 et 2 avec Kev Adams, j'aime plus l'école. Je te trouve vraiment dur avec Kev Adams. Il est une grande carrière. C'est vrai. C'est vrai, c'est Show the Night, mon gars. Non, je suis réaliste. Il doit laisser sa place à des jeunes plus marrants que lui, comme Maxime Biaggi ou Grim Jucco. Son petit copain. Son petit copain. Comment ça, petit copain? C'est le... Ah ouais, c'est écrit, petit copain. C'est son petit copain. C'est le script, ça? Oui, c'est le script. C'est écrit vraiment, c'est... Et sinon, Adam, par rapport au fait que ton paps t'a viré, tu peux toujours appeler ta mère. Tu sais comment tu l'appelles déjà, ta mère? Non, c'est... Je l'ai fait, Mams. Il y a paps, et il y a... Paps, je l'ai dit, Il y a... Je l'ai déjà dit. Il y a paps et... Je l'ai dit. Mams. Il y a paps et Mams. C'est Mams. Allez, c'est bon. C'est Mams. C'est bon. Bon, les gars, voilà. Je crois qu'on va arrêter là, c'est bon? Voilà, c'était Soda. C'est fort parce que quand même, c'était le seul truc que j'avais dit, on fait pas, et vous l'avez fait. Donc ça, c'est fou, quoi. C'est dommage parce que tout le reste de l'émission, j'ai trouvé ça, ça allait, tu vois. On a démarré avec, tu te rappelles plus, de l'invité de la semaine dernière. On a enchaîné avec, tu vois, des petites gênances comme ça, ça allait. Un peu de clash, un peu de trucs. Et on termine malheureusement sur Soda. Et c'est dommage parce qu'il y avait moyen de ressortir grandi de cette émission, à part le fait, évidemment, que Grimm est antisémite, mais à part ça, j'ai trouvé qu'il y avait du bon. Donc dommage de finir sur Soda. Voilà, je pense que c'est une petite gênance cette image-là. Voilà. Écoute, on va s'arrêter là. Tant que tu finis pas sur Pavoschko, c'est déjà le plus important. De quoi, le générique? Madame Pavoschko, je t'avais dit, on met pas parce que tu viens de le dire dans le texte. C'est pour ça que je t'ai dit. Ah non. Tu as dit, t'as vu la nouvelle prof, Madame Pavoschko? J'ai dit hein? J'ai dit ça? Frère, je te préviens, si tu mets la musique de Madame Pavoschko, vraiment, ça va me vénère. Ah oui, Madame Pavoschko, non, je suis pas en prison à l'hosto. Non, je fais des hits, Madame Pavoschko. Zen, d'après l'odorat, c'est le zen. Tout le monde est zen. Zen, d'après l'odorat, c'est le zen. Tout le monde est zen, zen, zen. Oh Max, quel invité vas-tu ramener? Max, de quoi vas-tu donc nous parler? Tous installés, prêts à te regarder.
Ils ont le mort quand il y aura de l'œil. Je crois qu'aucune émission est de taille. C'est Pilex ou pas, trop de questions.